Et c'est parti. On se demande si on n'est pas un peu rouillé. Un peu, je pense. C'est la première masterclass de l'année scolaire, on va dire. Mais ça va le faire, Charlotte. Hein, oui, tout à fait. On sait pas du. Enfin, si, on sait un peu ce qu'on va, de quoi on va vous parler. Oui. Mais on y va. Bonjour à toutes et à tous. Ravie de voir que vous êtes déjà très nombreuses. Je dis nombreuses parce que, comme d'habitude, c'est une majorité féminine, mais peut-être encore plus que d'habitude, puisque nous allons parler de soutien-gorge. C'est possible, effectivement. Alors, l'idée de cette masterclass, c'est de vous parler du coffret L'Éternel, de tout le travail que ça a représenté pour toi, pour l'équipe artisane, pour toutes les équipes, pour Pauline. Voilà, de ce que ça a représenté pendant plus qu'un an, parce que cette idée... ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on vous dit ça à chaque fois, mais parce que les idées, elles nous trottent dans la tête. Et puis après, il faut les mettre en œuvre, ça prend du temps. Et là, il y avait un défi à relever qui était celui de l'armature, de l'infinité de taille. C'est ça. On va s'en reparler. Donc, on va vous présenter ce coffret en détail, le travail qui a été effectué, les choix qui ont été effectués entre toi et Marie-Gabrielle, notamment sur la direction artistique. On va vous parler du soutien-gorge en général, soutiens-gorge. Avec des petits points histoire d'Anne Sarah. Avec des petits points histoire, parce qu'on en redemande des petits points histoire, mais aussi avec des petits points anatomie de ton côté, parce que je te disais tout à l'heure que j'avais beau te fréquenter. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je ne sais toujours pas la différence entre un corbeil, un balconnet, un push-up, enfin voilà. Et puis on se parlera armature, pas armature, nos bras, pas nos bras, bandeaux. Enfin, on va parler anatomie, la vôtre, mais aussi celle du soutien-gorge. Exactement. Et on va aussi refaire un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un soutien-gorge qui va bien. Parce que c'est l'un de vos problèmes en général, y compris avec les soutiens-gorge du commerce. Vous ne connaissez pas vos tailles et ça me permet de dire ou de te laisser dire en introduction qu'on a décidé de militer pour que ce problème s'arrête et donc qu'il faut tout de suite, immédiatement, que vous fassiez quoi ? Prenez vos mesures. Prenez vos mesures et ouais, Charlotte et Artisane vous offrent un cours gratuit pour ce faire. On va remettre le lien dans le chat, mais en tout cas, vous avez un cours gratuit et on vous supplie, si vous êtes intéressé par l'Éternel, de le regarder, à moins que vous connaissiez vraiment vos mesures, parce que vous avez fait plusieurs soutiens-gorge avec Charlotte. À bien vérifier, parce que là, c'est le tableau de taille par rapport à ce soutien-gorge-là. On sait très bien que chaque marque de lingerie a son tableau de taille. Donc, je vous quand même conseille de bien regarder le tableau de taille, même si vous connaissez déjà vos mesures, pour bien vous assurer que vous rentrez bien dans le tableau de taille, parce que ça peut arriver. On s'arrête au 110G. De prendre soit votre taille, soit votre table jumelée, mais dans tous les cas, de trouver une taille parmi ce tableau. Et donc, si jamais vous avez des doutes, on est là ce soir pour ça aussi. Vos questions, vous les posez dans le chat, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram. Pauline. Ah, on n'est pas sur Twitch ce soir. Bah, tant pis pour Twitch. Pauline, en revanche, est bien dans les coulisses et elle regarde toutes vos questions et elle nous les répercute dans un petit document que je possède sur cet ordinateur. Donc, avant tout, on se parle peut-être un peu de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est, l'Éternel ? Alors, l'Éternel, en fait, j'ai envie d'aller un peu plus loin. L'Éternel, c'est un long chemin. Plus loin que l'éternité. Plus loin que l'éternité. Non, mais ça a été un long chemin. Je trouve qu'en fait, il porte super bien son nom, ce soutien-gorge. On va parler de femmes, on parle aussi de relations que nous avons, je pense, Artisane et Charlotte et Anne-Sara et moi, enfin voilà. Et je trouve qu'il y avait Éternel, il a mis du temps à arriver. Plusieurs grossesses, exactement. C'est vrai en plus. On s'en parle depuis longtemps. Et même notre histoire a commencé comme ça d'ailleurs, avec un soutien-gorge à armature. C'est ça, premier cours il y a 7 ans, il était un soutien-gorge avec armature, effectivement. Et c'est vrai que Éternel, il a mis du temps à arriver parce qu'il y a quand même il y avait quand même une contrainte, mais qui était une bonne contrainte, c'était d'avoir un seul modèle qui allait pouvoir s'adapter au plus de tailles possible. Un modèle simple à réaliser, pas trop complexe pour un soutien-gorge avec armature, c'est-à-dire que si c'est votre premier soutien-gorge avec armature, c'est le très bon choix. Parce que vous allez voir, il est,
Vous allez apprendre différentes techniques, il faut être quand même rigoureux. Mais en soi, il n'a rien de compliqué. C'est juste plein de petites étapes à bien effectuer. Vous avez 5 heures de cours avec moi, je suis désolée. Je ne bats pas encore Sophie Valentoine avec 9 heures de cours. mais en tout cas, voilà, vous avez 5 heures où quand même il y a bien 3 heures, 3-4 heures avec le soutien-gorge. Et en fait, voilà, c'était ça le challenge. C'était d'avoir un soutien-gorge qui puisse aller du 75A au 110G et que ça corresponde vraiment à toutes les tailles. Donc il y a eu certes un travail de style, de choix de matière, mais il y a eu aussi un énorme travail, il faut se le dire, de gradation qui nous a donné des sueurs très, très, très froides. Comment avoir froid par 40 degrés en été. voilà, et on a su très bien s'entourer pour pouvoir réaliser une gradation qui soit juste, le soutien-gorge avec armature. Un produit lingerie, c'est très complexe parce qu'on est au plus près du corps. On a tous des corps complètement différents, on a des seins complètement différents, on a des formes de seins, on n'a pas les seins symétriques, donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de facteurs. Et une gradation, on ne peut pas juste grader comme ça bêtement, il va falloir s'adapter. Et donc ça a été un vrai challenge de pouvoir le grader. Il y a eu énormément, énormément de modifications, énormément de travail de la part de toute une équipe derrière. Pour arriver à ce éternel, qui porte bien son nom, moi, je trouve, mais voilà, qui est là. Et en tout cas, ça a été un vrai challenge pour moi également, faut le dire, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'armature. Et tu t'es même reformée. Je me suis reformée, exactement. Je suis repartie en formation pour me reformer, parce que je voulais vraiment qu'on ait un beau produit, un très beau produit qui soit à la hauteur d'artisan aussi. C'est important que ça soit... un produit qui puisse vraiment s'adapter à tout le monde. Donc voilà, je suis repartie à l'école, comme on dit. Je suis repartie à l'école et après, bon, ben, s'en est suivi des mois de travail sur ce projet-là. Et donc voilà, donc Éternel, c'est vraiment un soutien-gorge qui va être accessible à un débutant sur de l'armature. Ça, c'est très important parce que on l'a épuré un maximum, mais pour pouvoir mettre en avant en fait des matières, du tulle brodé, de la dentelle, vous allez pouvoir vous amuser en fait avec toutes vos dentelles, tous vos galons de dentelle que vous avez. On travaille beaucoup avec les dents, donc que ça soit au niveau des bonnets ou en dessous, au niveau du tour de sous poitrine. Et l'idée, c'est de mettre en avant simplement votre tulle brodé ou vos dentelles. Donc, voyez, on a enlevé, on a épuré, mais c'est pas parce qu'on épure que forcément on enlève des choses techniques au soutien-gorge. Au contraire, moins il y a de choses, parfois plus c'est complexe. Donc voilà, mais vous verrez, il y a plein de techniques dans le cours. On l'a beaucoup pensé forte poitrine parce qu'on sait qu'il y a quand même une forte demande là-dessus. Vous allez voir, on va parler de demi-lune. On parle de voilà, on est sur un produit qui est entièrement doublé dans une résistance stretch très confort qui va vraiment venir épouser en fait votre sein. Bien sûr, on a des parties qui sont bloquées. Enfin voilà, c'est vraiment toute une histoire. Moi, quand je me suis replongée dans le soutien-gorge avec armature, ça a été un recoup de foudre. Et c'est vrai que on se parlera de la DA après. Et puis j'ai oublié de dire que. On va avoir le témoignage de l'une de tes muses. Oui. On les aime toutes, mais ce soir, c'est Séverine qu'on préfère, puisqu'elle est là. on la voit tout à l'heure, on l'embrasse très fort, mais avant de parler de la DA et du shooting, peut-être qu'on peut juste effectivement dire un mot sur nous-mêmes, le cheminement par lequel on est passé. Par lequel tu es passé, par lequel je suis passé, par lequel peut-être vous aussi derrière l'écran vous êtes passé. On sort tous de, enfin on n'en sort plus vraiment, mais on est toutes passées par le confinement. Je pense que le rapport au soutien-gorge a énormément évolué, oui, peut-être pas dans le sens qu'on croit d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup entendu et on en reparlera dans le point, les petits points historiques, mais que c'était la mort du soutien-gorge. Oui, c'est vrai. Et en tout cas, la mort de l'armature, nous-mêmes, ben, ensemble, et puis toi, avec ta marque, tu travailles beaucoup le sans armature. Je dirais que ça a plutôt été, pour les fortes poitrines, l'occasion de découvrir que le sans armature, ou le sans soutif même, c'était possible. Oh, mais du coup, peut-être qu'on est aussi en train de réinvestir l'armature pour ce qu'il est, c'est-à-dire un écrin. Mm.
le soutien-gorge devient un vrai vêtement à part entière qu'on choisit selon l'occasion. Je ne sais pas ce que tu en penses en tant que styliste. En tout cas, l'armature revient en force énormément. C'est sûr qu'après, pendant et après le Covid, il y a eu vraiment une phase où même dans tous les magasins, on trouvait beaucoup de sans-armature. Dans le prêt-à-porter, c'est plus compliqué. Et là, ça revient en force complètement. Là, les derniers défilés aussi, on voit beaucoup d'armature. Je pense que tu as raison, il faut le voir aussi comme une nouvelle pièce, peut-être pas à porter forcément tous les jours si vous avez aimé porter en fait du sans armature et que c'est quelque chose qui est devenu dans une habitude en fait de vie. Mais un soutien-gorge se porte comme un beau bijou qu'on va mettre pour sortir, c'est quelque chose qui on se fait plaisir à soi déjà, c'est hyper important. Et on peut faire plaisir aussi à d'autres personnes, mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose pour vous. Et c'est vrai, ça devient en plus quand on le fait. Je pense que quand, bien sûr, on le coud, il y a encore plus cette petite magie-là. Mais ça devient un petit bijou qu'on a envie de mettre dans une petite boîte, je trouve. Alors, tu sais que je me disais, tout le monde est très silencieux. J'avais un bug avec mon chat et donc il ne se passait rien. Il se passe beaucoup de choses. C'est arrivé d'un coup. Oui. Donc je rattrape vas-y, je t'en prie. Les choses et donc l'une des premières, je vois des coucous de partout du coup, ça me rassure. En revanche, on a une question qui est une question d'évidence, ce soutien-gorge est-il adapté à toutes les formes de poitrine? Alors en tout cas, on l'a testé sur plein de formes de poitrine. Oui, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, je pense qu'on a essayé... via ce shooting photo et via les photos de Marie-Gabrielle, de retranscrire des parcours, des femmes différentes, des corps différents, des poitrines complètement différentes, et aussi des femmes qui portent à la fois, parfois, pas du tout de l'armature, parfois de l'armature, parfois des brassières qui vont être beaucoup plus sport. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir un ressenti sur elles, comment elles ressentent le soutien-gorge au quotidien. Et je pense qu'on là-dessus, il y a eu un vrai carton plein, enfin, il faut se le dire. Il s'adapte à beaucoup de poitrines, que ce soit petite ou une poitrine qui va être beaucoup plus généreuse. Et on a toute forme de poitrine. Je connais, peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je connais toutes les formes de poitrine à peu près qui sont présentes sur cette photo. C'est-à-dire je les ai vues sans soutien-gorge. Donc je peux vous assurer qu'elles ont toutes des formes complètement différentes. Surtout les muses, je veux dire. Alors, je vais te dénoncer, Charlotte. Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois quand tu m'as vue sans soutif? Tu te souviens? Mais non, mais t'as pas le droit de dire ça. Alors, il faut savoir que mes seins... voilà, Pauline s'en est prise une aussi. Non, il faut savoir que mes seins changent beaucoup, moi, même au fur et à mesure de la journée, puisque j'ai accouché très récemment, et donc j'allaite et je suis au début de l'allaitement, donc au moment où... Voilà. Il y a les pleins et les vides du sein. Et donc Charlotte, me voyant et ayant la difficile tâche de prendre mes mesures le plus proche possible du shooting pour que ça ne change pas trop, m'a dit « c'est vraiment une piste de ski ». Et non, alors, je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai juste, en prenant ces mesures, je me suis rendu compte qu'avant, elle avait une piste. Moi, j'appelle ça une piste de ski. Bon, mais une descente de sein qui a changé, mais c'est normal du coup. Parce qu'on a fait Aphrodite, on a fait Artemis, il y a eu pas mal de modèles. Donc j'ai vu les seins d'Ansara quand même plus d'une fois. Et donc oui, forcément, là, le corps change. Donc oui, je peux tout te dire. Oui, je l'ai pas mal pris. J'accepte ma piste de ski noire. Elle est très belle, cette petite piste de ski est très belle. Mais donc oui, c'est un soutien-gorge qui peut aller à toutes les poitrines. C'était même tout l'enjeu. Forte ou pas forte, et après, c'est là où on insiste, on a parlé de la prise de mesure, mais toi, je sais que par ailleurs, dans le cours, et de manière générale, on fait un prototype. Voilà. Je milite. J'amène des panneaux, je milite. Et c'est obligatoire, on me l'a beaucoup demandé avant la mise en ligne du produit dans des questions sur les réseaux. C'est obligatoire. En fait, là, on est tellement près du corps. S'il y a bien un prototype à faire obligatoirement, c'est bien soutien-gorge avec armature. La culotte, si vous ne voulez pas la faire, il ne faut pas faire prototype, je vous dis, ce n'est pas très grave. Mais là, le soutien-gorge, il est indispensable pour valider déjà le montage, pour que comme ça, vous ayez bien tout le montage avant d'attaquer vos beaux tissus. Ça serait dommage d'abîmer ce magnifique tulle brodé.
Et en plus, pour valider votre taille et pour pouvoir ajuster le modèle s'il y a besoin par rapport en fait, à la taille que vous avez déjà sélectionnée. Donc oui, c'est obligatoire. La prise de mesure et le premier prototype est obligatoire. Et je me permets, je rebondis sur ça. Oui, parce qu'on sais ce que tu vas dire. On me demande, mais qu'est-ce que j'utilise pour le premier prototype? Exactement. Alors, l'idée, c'est de toujours essayer d'utiliser à peu près les mêmes matières ou dans tous les cas le même taux d'élasticité que vous allez avoir dans du tulle ou de la dentelle. Donc en fait, c'est simple, vous prenez votre tulle brodé et vous allez, dans vos chutes, peut-être que vous avez des chutes de dentelle, vous allez essayer de voir, de sentir si vous avez une dentelle ou un tulle brodé qui va se rapprocher en termes d'élasticité de ce modèle-là. Après, vous savez, le test d'élasticité est assez simple à faire, hein. Vous faites un carré de 10 sur 10. Et après, vous faites. Alors, attendez, tant que j'y suis. Allez, le test d'élasticité. Alors, je n'ai pas de règle, donc vous ne m'en voulez pas. Mais en gros, vous faites un carré de 10 sur 10 de votre tulle, par exemple. Voilà. Donc là, vous mettez votre règle. Et en fait, vous allez étirer votre tulle brodée. Alors attention, quand on étire, on ne va pas le tirer jusqu'à que le tulle en fait, ou la dentelle souffre. On voit jusqu'où en fait, il peut aller en termes de tension. Et par exemple, là, on est à 11, 12, 13, 14. Et c'est comme ça en fait, que vous allez calculer votre taux d'élasticité. Il y a dans tous mes cours, à peu près, vous avez le calcul de taux d'élasticité. Oui, c'est vraiment un de tes... Ça et la laminette. Voilà, donc ça fait 10, voilà, 10, 20, etc. pour cent. Vous calculez comme ça. Et l'idée, en fait, c'est vraiment que vous utilisez après des matières un peu plus similaires. Surtout, ce qu'il faut respecter, c'est ce qui est bloqué et ce qui n'est pas bloqué. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que le devant, l'entre-sein, qui s'appelle aussi le séparateur, est bloqué, c'est-à-dire avec un tulle ou une marquisette. Nous, on a décidé d'avoir un tulle lingerie très fin. On a trouvé ça beaucoup plus raffiné, en tout cas pour ce modèle-là, que vous voyez aussi en demi-lune, là. Et après, tout le reste est stretch. Et ça, ça a été un vrai parti pris, parce qu'on s'est longtemps posé la question au niveau des prototypes, si on bloquait les bonnets ou pas. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte qu'avec une résille vraiment qui va être fine et stretch, avec ce tulle brodé et donc aussi avec de la dentelle, va vraiment venir en fait accompagner le sein et surtout garder une rondeur qui est quand même importante, on ne veut pas que ça aplatisse le sein, sur ce modèle-là. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment totalement en résille, à part l'entre-sein. Et après, vous verrez, je vous explique comment dans le cours vous rajoutez vos valeurs d'élastique en fonction de vos élastiques. Vous allez pouvoir aussi le moduler une fois qu'après vous avez... En fait, l'avantage du coffret, c'est toujours que vous avez les premières matières et c'est les matières qui sont OK pour ce modèle-là. C'est les bonnes matières. Et donc, pour pouvoir retrouver ces matières-là, vous avez une base. Voilà, vous avez votre base. Et après, c'est beaucoup plus simple, du coup, de continuer à se faire des soutiens-gorge. Mais vous avez votre base pour trouver les bonnes matières, la bonne résille. Toujours se couper un petit échantillon de matière et se le mettre, en fait, dans un petit carnet, par exemple... Vous notez éternel, vous savez que la résille à l'intérieur, vous avez le tulle ou la marquisette, etc., etc. Donc, en soi, vous pouvez utiliser, ça se trouve, plein de chutes que vous avez déjà, si vous avez fait de la lingerie. Mais il n'y a pas besoin de grand-chose et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin non plus d'énormément de métrage. Voilà. Alors après, ça dépend. Si on est sur un 110G, ça commence quand même à faire un petit peu de métrage. Mais bon, moins qu'un manteau, voilà, par exemple. Oui. Donc, effectivement, les questions qu'on te posait les plus, c'était... quelles matières on trouvait, les armatures, où est-ce qu'on va les chercher, etc. Donc je sais que tu as un petit conseil là-dessus. Alors, les armatures, l'armature, il faut savoir que dans le commerce, actuellement, en mercerie, tout ça, vous allez trouver des armatures. Nous, on a pris un choix qu'on a longuement réfléchi, mais on a fait un choix, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris des armatures que vous allez trouver dans le commerce parce que, pour moi, elles n'étaient pas adaptées au modèle qu'on souhaitait. On en parlera tout à l'heure des différents styles, modèles qui existent en lingerie. Là, ici, on est entre l'emboîtant et le push-up. J'avais envie de faire un petit truc un peu plus sexy, mais qu'il fallait que ça s'adapte à de la grande taille aussi. Donc, pas trop push-up, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un décolleté Marie en toilette. Oui, j'avoue que moi, je... Voilà. On a le push-up. Donc, il y en a qui n'ont pas besoin, en fait, de ça. Et on a dû trouver une armature qui puisse aller vraiment dans deux cases
et du coup qui allait vraiment bien se, et aussi qui se positionne bien par rapport à la gradation. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Donc en fait, cette armature, elle n'est pas disponible dans une mercerie, vous n'avez pas à la trouver, donc ça a été une production qui a été créée pour ce modèle-là. Mais après, en tout cas, elle sera en vente sur Artesan. Pas de bêtises. Je ne peux pas dire. On dit oui. J'ai la validation. Voilà, elle sera en vente sur Artesan. Vous allez pouvoir acheter après, racheter vos tailles en fait quand vous souhaitez, quand vous voulez refaire en fait votre soutien-gorge. On nous demande aussi s'il y a moyen de pas pour le prototype de pas utiliser de la dentelle. Alors. Pour utiliser une matière. Alors, je conseille de prendre de la dentelle. Ouais. C'est un modèle qui est full tulle brodée au full dentelle. Avec des dents. C'est ça qui fait la force de ce modèle-là. Et en fait, comme vous pouvez voir, le montage, c'est-à-dire que là, ça veut dire que vous allez avoir un tissu au bord et que vous allez galérer au niveau de votre élastique. Ça veut dire qu'il y a un bord franc. C'est important que d'utiliser soit une dentelle, soit un tube brodé. Vous pouvez prendre une dentelle qui n'est pas très chère. Faites attention juste si vous faites un 110G, un 105, un 110G, de bien regarder la dimension, la largeur en fait, de votre galon. Pour que vous rentrez bien tout votre bonnet. Et si ce n'est pas le cas, il y a une petite astuce dans le cours. Parce que le cours sert à quelque chose. Oui. Regardez-le. Il est très, très important. Isabelle nous dit, chez moi, ce n'est pas piste de ski, c'est montagne en été. Non, je ne suis pas sûre de tout avoir compris, Isabelle, mais je sens que c'est poétique. Je te propose que vous continuez à poser vos questions comme ça, elles s'accumulent, que je vous saoule avec l'introduction de mon point historique et qu'après on parle de la DA. Ça te va pour le moment ? Très bien, parfait. Comme petit programme. Parfait. Tu as le droit de me couper parce que moi, quand tu me lances sur un truc, tu sais, je peux parler. Et... Oui, moi, rappelle-moi aussi que je m'arrête à l'intro. Là. Oui, donc l'idée, c'était de vous parler un peu de l'histoire du soutien-gorge parce qu'on aime ça. Hein, totalement. Et que il y a beaucoup de choses à dire. Et qu'il y a beaucoup de choses à dire et que c'est une histoire passionnante et que ça pourrait être le sujet de 4 heures de dissertation et de masterclass. Vous êtes prêtes ? C'est parti. Les filles. Je vais faire un peu court, donc je vous présente mes excuses par avance parce que je vais faire des petits sauts, ça m'a brisé le cœur. Mais bon, l'idée c'est vraiment déjà de dissiper une croyance assez fausse. Qui est que le soutien-gorge a existé de tout temps, c'est pas vrai. Et cette croyance, elle est notamment diffusée par le fait qu'il y a une magnifique mosaïque qui est à la Villa Casale en Sicile. Allez la voir, moi ça m'a beaucoup marqué. J'avais 15, même pas 15 ans quand je l'ai vue et je m'en souviens encore. C'est une superbe villa et donc cette mosaïque. On le voit, il y a des jeunes femmes qui s'ébattent avec quelque chose qui ressemble à un bikini, hein, on peut le dire. Totalement, un petit bandeau. Mais tu le dis, c'est un bandeau et en fait c'est juste un bandeau de tissu où à l'époque, quand on faisait du sport, bah, si vous avez une forte poitrine et même si elle n'est pas forte, vous le savez, on n'a pas envie que ça... voilà, ce mouvement-là... Donc, voilà, ces baigneuses mettaient rapidement, ou en tout cas ces sportives mettaient rapidement un bandeau de tissu, mais il n'y a rien de pensé comme un soutien-gorge avec une morphologie. C'est une bande de tissu et c'est tout. Et c'est juste... voilà, on voit une lanceuse de disque... voilà. C'est pas du tout, il n'y a pas de notion esthétique, il n'y a pas de notion liée à l'habillement, le soutien-gorge n'existait pas. Après, il y a un vrai débat historique qui est celui de savoir si on a oublié le soutien-gorge et même, voilà, si on a oublié le soutien-gorge jusqu'au 19e ou 20e siècle, il y a bien sûr le corset, j'y reviendrai, mais on a tendance à dire que. Il n'y a plus de soutien-gorge. Or, on a retrouvé, donc dites-vous que la recherche sur le soutien-gorge avance à grands pas, en 2008, donc c'est très récent, dans un vieux château autrichien, je crois, un soutien-gorge que je vais vous montrer, parce que je le trouve assez émouvant.
Le voilà. Je crois que le château, c'est le château de Lenzberg ou Lendensberg. Je vais vous mettre le nom dans le chat. Tu confirmes qu'on a quand même une morphologie de soutien-gorge. On commence à avoir un soutien-gorge. Du moins, on a une vraie pince au niveau de la poitrine. Donc, c'est-à-dire qu'on a on a du volume pour pouvoir rentrer le sein. Je pense qu'avant, il doit avoir un haut bonnet. Enfin, on distingue bien, en fait, limite les différentes parties qu'on peut retrouver. Donc, le bonnet décolleté, le côté et sûrement le haut bonnet et une basque. Donc, oui, complètement. Donc, il y avait quelque chose, mais ce n'était probablement pas pour les classes nobles, parce que qui avait besoin de soutien-gorge, c'était par définition les personnes qui travaillaient et qui avaient des travaux plutôt physiques pour ne pas être gênées. Mmh. Et du reste, alors j'ai vu un travail génial de plusieurs personnes qui font des recherches sur le costume et qui les costumes médiévaux. Si on regarde bien cette robe, alors je sais pas si tu as de bons yeux, Charlotte, moi non, mais j'ai vu un travail génial de femmes qui essayent de reproduire cette robe où le soutien-gorge est en fait intégré. Ouais, complètement. Donc c'est une robe avec deux bonnets quoi qui sont insérés. Donc il y a plein de recherches de couturières costumières là-dessus qui sont très sympas. Voilà. Donc mais ça adressée plutôt à des femmes qui travaillaient. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de soutien-gorge avant le 19e siècle. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas commencé. L'histoire du soutien-gorge ne commence pas avec le soutien-gorge, mais avec le corset. Exactement. Et Sandra nous en parlerait aussi très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la structure du vêtement, et quand on se parle de sous-vêtements, en fait, au départ, on parle aussi de vêtements. La structure du corps et du vêtement est perçue jusqu'au 19e siècle comme venant du bas. On soutient et on sculpte le corps de la femme en venant du bas, alors que, voilà, vous voyez, vous avez des... Enfin, ça, je fais des têtes un peu crispées et Charlotte me regarde comme ça. Non, mais ça, on soutient votre gorge, mais par le bas, et ça permet de donner des formes, y compris à la taille, aux hanches. Et donc, l'architecture du corps est construite de bas en haut. À l'inverse, le soutien-gorge, eh ben, on a les bretelles, et c'est elles qui jouent majoritairement le rôle de soutien. Et donc, aujourd'hui, la structure même du vêtement est conçue par rapport à celle du sous-vêtement, c'est-à-dire que les vêtements descendent alors qu'avant on les pensait en montant. Et ça, pour les costumiers notamment, c'est très très important comme différence. Voilà, et donc tout ça pour vous dire que ce qu'on appelle le corps baleiné au début, donc avec des baleines, apparaît au XVIe siècle et il est là pour accompagner une grande jupe qu'on appelle le vertu gadin, donc le garde-vertu des femmes, parce que tout simplement au XVIe siècle, donc le siècle de la Renaissance, etc., c'est un siècle beaucoup plus moralisateur que l'était le Moyen-Âge, où on acceptait la sensualité des femmes, on acceptait une forme de liberté bien plus importante qu'on le pense, alors qu'au Moyen-Âge, ce siècle riche artistiquement, etc., on est revenu à une vision plus moralisatrice du corps. Et donc, on s'est dit, OK, entre les jambes, il y a quoi ? Il y a le sexe féminin, il y a le péché originel. Mon Dieu, cachons-le, cette fente pécheresse, cachons-la sous ces jupes un Exactement. Peu larges. Et on a renforcé les hanches. Et pendant ce temps, à l'inverse, chez les hommes, on s'est dit... Oh, quelles belles épaules, quel beau torse et quel beau sexe au milieu des deux jambes. Donc, on a moulé les jambes, donc ils sont devenus, on les met dans des collants, et puis on moule le sexe. Oui, vous voyez tout de suite, il est 21h33, vous voyez tout de suite l'idée, hein, on est un peu comme dans les années 80 avec le slip débronzé, mais, mais au XVIe siècle, donc on moule les jambes dans un collant, où on voit bien le sexe, parfois on le rend plus imposant en mettant une coque, et on met des manches très gigots, des choses comme ça, avec des pourpoints en haut. Mmh. Donc on a l'inverse de la structure de la femme, on a une structure en V. Voilà, je ne vais pas vous parler plus des hommes, mais c'est pour vous dire que structurellement, le corps baleiné, il est venu pour accompagner le vertu gadin.
donc cette jupe, et pour sculpter le corps de la femme en haut. Je vais passer ma journée, ma soirée à faire ça. Je continue rapidement sur cette introduction. L'idée, c'est que ensuite, on va en permanence avoir cette espèce d'aller et retour entre libération, pas libération. C'est un peu l'histoire de la mode pour la femme. C'est évidemment l'histoire du corset et du soutien-gorge. Et donc, on arrive à la Révolution française. C'est la Révolution. L'une des premières mesures que vont prendre les sans-culottes, c'est d'interdire le corset. Et là, les seins sont juste rehaussés par une simple ceinture autour de la robe. À tel point que quand on arrive au Directoire, vous savez, cette période qui arrive juste après la Révolution française, on a toute personnes de la haute bourgeoisie, voire de l'aristocratie, qu'on va appeler les merveilleuses, qui ne vont plus rien porter sous leur robe en mousseline. Donc on imagine quelque chose de beaucoup plus libre, même qu'on l'est aujourd'hui. C'est le cas de Joséphine de Beauharnais, qui juste ceinture ses robes de mousseline, pas de soutien-gorge en dessous, et elles ont complètement abandonné le corset. Il faut savoir que ça a créé un discours très violent contre ces femmes, qu'elles ont choqué, qu'on en parlait partout, et que dès que l'Empire va arriver, la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est de dire « vous êtes bien gentilles, les coquines, enfin les merveilleuses », et on va remettre le corset. C'est ce qui se passe à la Restauration, donc 1814, puis avec le retour de la monarchie, c'est encore pire. On remet le corset et on remet les crinolines, les faux culs, etc. Donc l'idée, c'est qu'on accentue les hanches, on cache le sexe et on remet ce corset et on serre à la taille parce que c'était pas tant la gorge qui était sensuelle, celle-là, on avait même tendance parfois à la couvrir, que la taille fine. Et l'idée, c'était vraiment de serrer pour qu'on ne voit plus que cette taille entre ces deux volumes. Et là, l'idée, c'est que les classes populaires, elles aussi, se mettent à porter le corset. Donc, le 19e siècle, c'est le règne du corset. C'est diffusé par les grands magasins, la vente par correspondance, la mécanisation. Et, petit mot sympathique, on appelle les gens qui cousent des corsets, enfin, les femmes qui cousent des corsets dans les usines, des cousettes. Voilà, ce sont les premières cousettes. Donc, la France est le premier exportateur de corsets au monde, y compris dans les pays colonisés. Donc, il faut se dire aussi, et c'est ça qui est passionnant dans cette histoire, que le corset et le soutien-gorge vont être une des premières choses dans la mode féminine qui va uniformiser la mode féminine. La globalisation, la mondialisation, l'uniformisation de la mode pour la femme passe pas d'abord par le sous-vêtement avant de passer par le vêtement. Et puis, on peut se le dire aussi, il y a pour les hommes, puisqu'il y a vraiment cette histoire de dompter le corps, l'idée de lacer ou délacer un corset, on est dans oui, alors pour certains hommes, c'est un sujet de fantasme. Ah oui, oui, totalement. Et on est aux origines du bondage. Ils adorent serrer et lacer et délacer. Et prendre le temps, parce que du coup, c'était long en plus. Oui, oui. C'était très long. Désir. Très long. On arrive à la fin du 19e siècle, il y a Pauline qui se marre derrière, et on arrive à cette fameuse silhouette en S où les fesses regardent vers le passé, vers le 19e siècle, et les seins vers le 20e, avec cette poitrine qui avance, cette croupe vers l'arrière et cette obsession de la taille fine. Mais ça crée des problèmes de santé, parce que déjà, serrer anormalement la taille, ça crée des problèmes de dos, ça crée des problèmes pour l'enfantement. Elles ont toujours leur sel dans leur corset, parce qu'elles s'évanouissent régulièrement, parce qu'elles ne respirent pas. Et donc, certains corsetiers vont commencer à envisager d'autres soutiens que le corset. On en parlera très bientôt, parce que je vous annonce donc ma problématique du soir. On va se demander si dompter ou libérer le soutien-gorge n'est pas finalement un instrument très ambivalent de la sculpture du corps féminin selon la façon dont on l'investit. Et voilà, j'arrête de vous ennuyer avec cette introduction. Et vous avez 2 heures. Voilà. Et je vous propose qu'on repasse à la direction artistique que vous avez voulu donner à ce projet, Marie-Gabrielle et toi. Alors, bon, Marie-Gabrielle, elle est arrivée avec son dessin de rond. et puis, il y a eu ce choix de tulle. Je pense qu'il y a eu, ce choix de tulle qui nous est propos, qui a été là. Il faut savoir qu'on travaille qu'avec du second circuit pour absolument à peu près tout du soutien-gorge, sauf les armatures,
le protège-armature, je vous en parlerai parce que c'est un très très beau protège-armature qu'on a fait produire, et les attaches. Tout le reste reste sur, sur du second circuit. Donc on est en fait sur un... En fait, ce tulle brodé, quand on l'a reçu, moi je me rappelle, j'ai dit à Marie-Gabrielle, c'est très artisane. C'est très toi. En fait, c'est très MG. Je trouvais qu'il y avait l'ADN artisane qui était là. Et je pense qu'on est parti très loin à ce moment-là. On n'était pas parti là-dessus au tout départ du soutien-gorge parce qu'on avait en tête un tulle brodé qu'on aurait aussi beaucoup aimé. Et on était parti sur une autre histoire. Et ce tulle-là est arrivé et en fait, on est parti sur une autre histoire et surtout Marie-Gabrielle qui a construit la partie direction artistique pour le shooting, pour, vous allez voir, pour la mise en page au niveau du livret, sur le coffret. Sur le cercle qui est à la fois l'infini, l'éternité, il y a quelque chose qui va être très féminin, on a une courbe, on a un volume, on a un sein en fait. Donc c'est vrai que le cercle représentait bien, on trouve et on pense, on est sûr, qu'il représente bien la femme. Voilà, il y a quelque chose de cyclique aussi là, on passe par plein de choses, par plein de cycles en fait. Et on trouvait que c'était beau de le représenter comme ça. Donc, pendant tout le shooting aussi, elle nous a dirigé. Donc, on avait cette arche magnifique dorée. Et voilà, de venir aussi englober ce cercle. Puis, on était quand même nombreuses. Donc, il fallait bien manager tout ça. Ce qui n'est pas simple de faire des tableaux de groupe. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Faut le savoir. Il faut que tout le monde soit bien et se sente bien sur la photo. Donc c'est d'avoir les bons regards et les bons positionnements, donc c'était pas simple. Armelle a joué de sa vie sur cette photo-là. Mais oui, en fait, voilà, elle a travaillé avec le cercle, on a des photos aussi, où elle a voulu avoir une perspective. Une perspective entre le cercle et d'autres cercles et les femmes, donc le sein, dont le tulle brodé. Enfin voilà, il y a toujours une sorte de continuité. En fait, on voit un peu du cercle un peu partout. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu un vrai choix que ce soit du noir et blanc. Parce que déjà, le tulle brodé, voilà, il était noir avec cette résille. Sur ce tulle, en fait, tout simplement, qui va donner un vrai contraste, comme s'il était en noir et en blanc, un vrai contraste. On avait envie de ce contraste-là sur les photos. Et je trouve qu'il y avait quelque chose de très... Ben voilà, en fait, c'est un peu figé dans le temps. Cette photo, elle n'a pas de timing, il n'y a pas de temps. Elle sera toujours là, elle est éternelle, en fait. Enfin, voilà, le noir et blanc. Là, enfin, c'est vraiment ça, le noir et blanc. Donc, voilà, je trouvais que... Merci Marie-Gabrielle, tu nous as fait une très belle direction artistique sur le shooting photo. Est-ce qu'on peut nommer toutes les personnes? Oui. Alors, qui mêle les muses et les filles d'artisanes. Donc on était très contentes. Oui, exactement. De ce mélange. Nous avons Armelle qui est sur le cercle, vous pouvez reconnaître. Qui est sans chaussettes pour une fois, mais on ne voit pas ses pieds. On ne voit pas ses pieds. Nous avons Claire juste en dessous, je me permets. Oui, Bazar de Claire. Bazar de Claire. Nous avons Jennifer, donc Jen. Nous avons Caroline, Créa Caro. Ça va être dur, il va falloir que je me rappelle des tous les... Nous avons Sandra, qui je crois s'appelle Sandra. Sandra.mck, je crois. Voilà. Nous avons Pauline, le cercle, le milieu du cercle, le point au milieu du cercle. Nous avons Séverine Picabou, nous avons Anza. Annie Coton. Et Clotilde Couture and Clo. Et Charlotte Jobert. Et Séverine qui est en ligne. C'était pour ma transition. Si Séverine nous rejoignait. Allez, avec grand plaisir. Elle nous manque. Hello. Bonsoir. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on fait un duplex avec Londres? C'est tellement chic comme phrase. On est en duplex. Et bah, coucou, on est trop contente de te voir en duplex depuis Londres. Ah, je ne sais pas quelle heure il est à Londres. Il est 1h de moins. Oui, ça fait, ouais. C'est pas très impressionnant. Nous avons 6 heures de décalage avec Londres, on me dit. Je vous entends bien, oui, ça va.
Séverine, c'était un plaisir de poser avec toi, c'était un plaisir de t'avoir et de partager ce moment avec toi. T'es muse depuis le début. Depuis le début. Et tu es aujourd'hui la représentante Petit Saint. Exactement. On milite. Tu partages avec Charlotte. Non, plus sérieusement, ça s'est bien passé. Tout la couture, le shooting, t'es en vie, t'as réussi à. Les armatures, c'est ton truc, pas ton truc. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est un vrai bonheur de participer à cette masterclass. Ça fait bizarre de sauter dans l'écran. Je vous suis déjà depuis le début, donc voilà. Donc merci pour votre invitation. J'ai pris quelques notes, hein, du coup. Parce que je me suis dit, ça va être comme ça, Charlotte, il faut que ce soit carré. Je me suis fait des petits points de repère. Même si je couds depuis très longtemps maintenant et que maintenant j'enseigne même la couture, enfin, en tout cas j'anime des ateliers. Mais tu enseignes, ça fait pas si longtemps. La couture, t'as vu cette auto, c'est, tout de suite elle se re. On est comme ça, hein, il faut qu'on arrête d'être comme ça. Tu enseignes la couture. Et elle enseigne la couture lingerie, en plus, à Londres. À Londres. Donc, si vous êtes à Londres... Depuis... Pardon, j'ai un petit décalage, mais ça va. C'est normal. C'est le duplex avec 6 heures de décalage, c'est tout à fait normal. malgré tout ça, finalement, ça ne fait pas si longtemps que ça que je couds de la lingerie. J'ai commencé, comme beaucoup d'entre nous, avec Charlotte, avec Artézane. Donc il y a maintenant 4 ans je pense, 4-5 ans et donc jusqu'à présent je n'avais jamais cousu de soutien-gorge avec armature, je l'avoue. Et tu portes de l'armature d'habitude ou pas du tout? Effectivement, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, moi, il y a eu vraiment une vraie différence après le Covid. C'est marrant parce que je n'ai pas vécu ce changement pendant le Covid. Ça a été vraiment après. Ça a été vraiment à partir du moment où Artézane et puis ensuite Charlotte, quand vous avez sorti des modèles avec des soutiens-gorge sans armature, un petit brassière, etc., que j'ai eu envie de laisser tomber l'armature et d'essayer des choses qui étaient beaucoup plus agréables à porter, plus légères, un peu seconde peau et tout. Et puis, en fait, au fur et à mesure, je me suis dit que, comme tu disais encore tout à l'heure, Anne-Sara, la lingerie, on va la choisir aussi en fonction de ce qu'on porte. Donc, c'est vrai qu'il y a des jours, je suis très contente d'avoir, comme aujourd'hui, un soutien-gorge sans armature, une forme de brassière. Mais il y a des fois, j'ai envie de mettre en avant ma poitrine et d'avoir un effet un peu plus push-up. Et dans ce cas-là, c'est sûr que l'armature, c'est notre allié. Donc, clairement, j'étais ravie de coudre ce soutien-gorge parce que finalement, j'essaye d'aller vers un dressing lingerie qui soit complètement homemade. Et clairement, c'est ce qui me manquait. Donc, je suis hyper contente d'avoir réalisé ce premier soutien-gorge parce que c'est une petite pépite et le premier d'une longue série, très clairement. C'est vraiment ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que, finalement, je suis assez impressionnée de t'entendre dire la phrase « Mon dressing lingerie homemade, c'est quand même assez chic. » Et je pense que ça, tu l'avais vraiment vu avec Charlotte. Et c'est vrai qu'en fait, au départ, ça paraissait difficile de coudre de la lingerie. Et maintenant, on va de plus en plus loin dans ce qu'on appréhende. Et du coup, on réinvestit certaines pièces. Comment tu avais vécu le shooting ? Merveilleusement bien. C'est vrai que maintenant, quand on arrive chez Artézane, on est un peu à la maison. C'est sûr que mon expérience en tant que muse n'a fait que rendre les choses plus faciles. Donc, c'était très, très agréable.
J'étais quand même assez impressionnée et j'espérais être à la hauteur, voilà, des attentes artisanes, etc. C'était quand même une pression. Mais en même temps, voilà, un peu comme à la maison. Donc, ça s'est très, très bien passé et c'était une sacrée expérience. Est-ce que au moment de la couture, toi, sur l'armature, tu as dû faire un proto? Alors, pour être honnête, moi, J'aime bien tout ce que fait Charlotte, donc peut-être que tu es un oui. peu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Elle est un peu rodée. Elle est partie je direct. connais pas mal ma je connais pas mal ma taille et moi, je suis une taille entre guillemets ce que j'appelle facile. C'est-à-dire que c'est relativement proportionnel. J'ai fait un 90B, donc j'ai un tour de sous-poitrine qui est, on va dire, lambda, avec un bonnet aussi très répandu. Enfin, j'ai un espèce d'équilibre qui fait que moi, franchement, c'est du gâteau, quoi. Si je prends, par exemple, Clotilde ou Claire, voilà, deux autres des muses, bah, pour elles, c'est toujours plus compliqué. Il y a toujours au moins deux ou trois prototypes à faire parce que, par exemple, Claire, elle a un tour de sous-poitrine qui est très menu et avec un bonnet plus généreux. Donc, c'est vrai que là, ça va être plus difficile. Il va falloir vraiment trouver sa taille, affiner, réajuster. Voilà. Moi, honnêtement, j'ai regardé le tableau de taille, 90B. J'ai dit, allez, on y va, on se lance. J'avoue qu'on n'avait plus forcément trop le temps non plus de faire des prototypes parce qu'on était quand même au niveau timing vraiment serré sur la fin. Donc voilà, je me suis lancée. Et puis en fait, ça a été assez impressionnant. Bah, je reviens toujours pas, hein, mais. Je l'ai enfilé, j'ai eu l'impression d'enfiler un gant. Ça a été complètement dingue. C'est-à-dire que avant ça, bon bah quand je portais des soutiens-gorge avec armature, et ben j'allais dans les voilà en boutique, je galérais toujours un petit peu. J'essayais d'aller vers les tailles jumelles pour essayer de trouver celui qui m'allait le mieux, mais il y avait toujours un petit truc qui allait pas au final. Je rentrais à la maison, bon j'étais jamais hyper confort. Et ben là. Et c'est pas du chiqué, hein. Enfin, vraiment, c'est en toute transparence. C'est juste incroyable. C'est vraiment, je n'ai jamais vécu ça avec un Comme quoi, il y a des révolutions qui arrivent, on ne sait pas par où, mais. Mais non, incroyable. Du coup, nota bene, je vous ai pas renvoyé, hein, les autres armatures 90B parce que je compte m'en refaire d'autres en fait. Et t'as bien fait. Non, non, trop bien, t'as bien fait. Non, voilà, franchement, un vrai bonheur à coudre. Si je peux dire deux, trois choses par rapport à cette couture, moi, je conseille vivement, surtout quand on n'a jamais cousu de soutien-gorge à armature, c'est d'acheter la box. Alors, pourquoi? Parce que déjà, un soutien-gorge à armature nécessite plein de fournitures différentes. Au niveau de la résille, de la dentelle, on va avoir des petits élastiques au niveau du bonnet, on va avoir des élastiques sous poitrine, on va avoir un élastique qui va être aussi au niveau du Charlotte, je ne sais plus cette De partie-là. Ah, l'emmanchure. de l'emmanchure, merci. Voilà, et tous ces élastiques, en fait, si vous regardez, ils sont tous différents. Donc, franchement, pour aller chercher ça dans le commerce, vraiment, c'est un vrai casse-tête chinois. Là, regardez, j'en ai déjà au moins trois là. Voilà. C'est vraiment galère. Ensuite, trouver des matières qui soient de bonne qualité. Ça veut dire qu'ils vont durer dans le temps. Bah, ça, c'est pareil en fait. Enfin, très clairement, moi, je ne vais pas citer les magasins, je vais me faire assassiner, mais enfin, on ne va pas aller chez To pour aller chercher des belles dentelles, quoi. C'est bien pour les protos, mais on est d'accord, ça s'arrête là. J'espère que je ne vais pas me faire d'ennemis ce soir. Mais Ici, non, donc on voilà, est serein. pour moi, la box, c'est vraiment indispensable pour avoir un produit qui soit de qualité et qui soit durable dans le temps. Et une petite question, moi j'ai une question pour toi, Séverine, parce que je sais que tu as l'habitude de coudre la lingerie. Est-ce que tu as appris des nouvelles techniques? Parce que l'objectif aussi avec ce soutien-gorge, c'est d'apprendre autre chose comparé à du sans armature. Et est-ce que, alors en sachant que faut savoir que les muses ou artisanes et qui, pardon, n'ont
pas eu la vidéo oui. pour pouvoir coudre. Ça a été que des échanges et des micro-vidéos via un énorme groupe avec tout le monde. Et donc forcément, donc c'était un peu le bazar aussi pour elles. Donc elles ont dû s'y retrouver parmi, je pense, toutes ces vidéos. Mais c'est important de savoir si toi, comment ces nouvelles techniques, comment tu l'as ressenti. Est-ce que tu as appris des choses? Parce que c'est important. Alors, carrément. Alors déjà, oui, c'est vrai que ce premier soutien-gorge à Armature, c'était un challenge pour moi. Donc oui, j'ai appris de nouvelles techniques. Je n'avais jamais posé les protèges à Armature. Attends, si je le prends avec moi, qu'est-ce que j'avais jamais... Oui, c'est ça. Et puis j'avais, du coup, dans ce produit, on va avoir du tulle stretch, on va avoir du tulle bloqué. Voilà. Mais surtout, moi... la technique que j'ai vraiment apprise, c'est le fait de poser ce protège armature en deux temps. Ça, j'avais jamais fait. Pareil, j'avais jamais eu à travailler l'intersein, etc. Après, bon, les bretelles, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Le montage, de façon générale. En fait, on a quand même eu des petites vidéos, hein, et c'était très, très clair et détaillé. Donc, j'ai pas eu de difficultés majeures. Enfin, je l'ai fait en, je sais pas, en 6 heures, je pense, de A à Z. Non, pas de grosses difficultés parce que, évidemment, toujours très bien expliqué quand même, même si c'était très succinct, pour le réaliser. Donc, oui, apprentissage de nouvelles techniques, mais finalement, quand on a déjà vu un peu de lingerie, ça va relativement vite, quoi. Après, moi, je déconseille clairement aux débutants de lingerie, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut avoir déjà un peu cousu, au moins, quelques culottes, une ou deux brassières sans armature, et ensuite, oui, carrément, les yeux fermés, quoi. On pense que, enfin, personnellement, je pense que c'est un bon premier soutien-gorge avec armature à coudre, son tout premier, en fait. Je pense que c'est... Après avoir cousu, c'est sûr d'avoir appréhendé les matières avec Aphrodite, Artemis ou des culottes. Parce que comme ça, vous êtes plus confiante, en fait, tout simplement, quand vous partez, vous allez sur ces nouveaux projets qui sont pas plus lourds, mais où il y a des nouvelles techniques qui vont être plus minutieuses et plus complexes. Mais en soi, vous allez être beaucoup plus sereine parce que les poses élastiques, ça reste toujours un peu les mêmes. On ne va pas réinventer une pose élastique. Voilà, il y a plus gérer plusieurs matières, plusieurs élasticités en même temps et le fameux protège armature qui fait peur alors que ça passe tout seul. Non, ça passe vraiment tout seul. Je crois que c'est une couture qui demande en fait de la concentration. Et de la minutie. À partir du moment où voilà, on prend son temps, qu'on y va étape par étape, je conseille aussi de visionner tout de suite tout ton cours. Alors, c'est sûr que ça dure un bon moment, mais... C'est sûr qu'il faut bien aimer Charlotte. Ouais. Je suis désolée d'avance. Oui, non, mais c'est vraiment... Ouais, c'est un vrai conseil que je peux donner. C'est visionner déjà... si possible, eh ben, la vidéo, ce sera forcément un atout après pour démarrer votre cousette. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai une question pour vous deux, puisque comme ça, peut-être Oula. Pour Séverine, comme ça, on arrête un peu de bosser, là, on en profite pendant qu'elle est là. Donc, Isabelle nous dit, comment utiliser les tailles jumelles quand on a le plus petit bonnet? Quand elle fait un 75A? Ben, je suppose, oui. Alors, c'est une question pour Charlotte quand même. Alors, ça devient plus compliqué quand on est sur les extrémités 75 et le 110G là sur ce modèle là. Vous pouvez toujours augmenter votre tour de sous-poitrine, mais quand on est à la limite du 75A, il faut déjà déterminer ce qui ne convient pas sur votre prototype. Est-ce que c'est la profondeur de bonnet? Est-ce que c'est le tour de sous-poitrine? Si c'est le tour de sous-poitrine qui est trop grand, ben vous pouvez prendre une taille jumelée, parce que du coup, on va sur une colonne qui existe. Mais au contraire, s'il est trop petit, eh ben là, vous êtes bloqué. Eh ben en soi, là, je pense que vous pouvez modifier directement votre patronage.
C'est-à-dire que vous allez pouvoir enlever un petit peu sur votre dos. Pareil au niveau du bonnet, si votre bonnet, vous sentez qu'il est encore trop profond et que vous avez envie d'enlever, eh bien, vous allez venir retravailler la courbe en fait, au niveau des bonnets. Ça, c'est quelque chose, ça a été un long débat avec moi-même, c'est-à-dire est-ce que dans le cours, j'explique la modification de patronage sur le soutien-gorge avec armature. Alors, je vais vous dire clairement, je ne l'ai pas fait, parce que ça veut dire que si on commence à bouger toutes les lignes, il peut être complètement déséquilibré. Je pense que l'équipe artisane qui a travaillé avec moi là, sur ce projet-là aussi, elles se sont rendues compte que on a fait des modifications pour 2 mm parfois au niveau de la gradation. Voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je vois Pauline avec un petit sourire, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment bougé des lignes de 2 mm parfois, parce que tout simplement, on peut vite déséquilibrer un soutien-gorge. Mais quand on est sur des tailles comme ça, qui sont aux opposés, je pense qu'il faut passer par des prototypes. C'est obligatoire et surtout essayer, tester. Et si vous êtes vraiment dans ce cas-là et que ça, le prototype ne va pas du tout, je pense que le mieux, c'est de nous écrire et de qu'on puisse vous guider à ce moment-là. Après, toutes les autres, en fait, elles vont pouvoir trouver leur taille correctement avec les différentes tailles jumelées. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. On va demander à Isabelle. Isabelle, est-ce que tu trouves que Charlotte t'a bien répondu? Sinon, eh ben, elle fait 90A. Elle a une bonne carrure sous poitrine. Donc c'est bon, elle peut quand même naviguer. Mmh. Elle peut quand même naviguer. Le 75A est bloqué, voilà, il faut se le dire. Il est un peu bloqué, le 75A. Mais on peut modifier en soi, c'est-à-dire que là, on touche directement au patronage, en fait. Et on dit bonjour à Elisa, qui a rejoint l'équipe très récemment et qui a du coup cousu plein de soutiens-gorge, qui avait été ton élève, et qui dit que c'est une méditation de coudre ce soutien-gorge. On remercie toutes les personnes qui ont cousu les soutiens-gorge. Toutes les muses. C'est ça, Océane, sais que, évidemment, que tu en as mangé. Mais elle a adoré. Vous ne le supportez plus. Mais... en tout cas, elle a adoré Océane. C'est la première fois qu'elle est montée de l'armature avec tous les protos qu'on a réalisés ensemble. Et en tout cas, elle a adoré. Il y avait quelque chose d'étape par étape, très minutieux. Et en fait, tu prends vraiment plaisir. Moi, j'avais pas cousu de soutien-gorge avec armature depuis quelques années. Et quand j'ai fait ma formation, j'ai repris plaisir, mais alors complètement, à coudre de l'armature. Ça a été une révélation au niveau de l'armature. Mais cela dit, moi, je me souviens, parce que oui, moi aussi, j'ai suivi un atelier de Charlotte, rue Maillet, et oui, qu'est-ce qu'il y avait à une absence. Donc ça m'avait vraiment beaucoup amusé de coudre ce soutien-gorge. Est-ce que ce soutien-gorge est terminé, Anne-Sara? Eh bien non. Eh bien non, parce que moi, il faut vraiment que je sois en atelier pour terminer quelque chose avec mes 1000 trucs. Mais ça m'amusait beaucoup, oui. Et ce n'était pas terminé parce qu'il manquait une pièce que je n'avais pas. Parce peut-être. Tu ne t'étais pas rajouté au... Tu m'avais créé... Oui, c'est ça. Tu m'avais créé un kit et il manquait un truc. Mais c'était très chouette. Tiens, on va continuer à embêter Séverine avec les tailles. Oui, en même temps, je ne sais... Séverine, à ton avis, est-ce qu'il y aura des coffrets au CSF, puisqu'on nous pose la question? Ah, bonne question. Ah, bah peut-être. Peut-être, oui. Ouais, ce serait chouette qu'il y ait des coffrets de l'Éternel au CSF. Eh bien oui, il y en aura. On va garder de côté une petite partie qu'on réservera pour le CSF. On n'a pas un stock illimité, mais on a essayé de faire en sorte de satisfaire tout le monde. Oui, c'est surtout ça. Les grandes tailles. Ouais, faut et savoir. Du coup, ça m'amène à la question suivante qui est justement, il y a deux gammes de tailles pour ce coffret, nous dit-on. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, tu sauras mieux expliquer. En fait, pour que ça soit plus simple, plus simple pour vous et pour nous, parce que derrière, surtout l'équipe artisan, il y a une logistique qui est énorme sur de l'armature. Je crois que c'est la première chose qu'on s'est dit, c'est de dire, OK, on fait de l'armature. Est-ce que vous êtes prêtes? Parce que ça va être dur, ça va être chaud, et c'est là, tendu. On dit merci à toute l'équipe, parce que je crois que c'est assez... Pauline, elle est comme ça, là. Elle est hirsute depuis une semaine. Il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup d'éléments, donc c'est sûr que c'est jamais simple. Et ce qui rend la chose complexe, c'est qu'on a décidé qu'il y ait de l'armature
qu'on vous fournisse l'armature, parce qu'en plus, on a décidé que ce soit une armature particulière. Donc, il y a deux tailles. On a divisé, en fait, tout simplement, pourquoi on a divisé en deux, c'est-à-dire qu'il y a des besoins pour des petites tailles et il y a des besoins pour des grandes tailles. Quand je parle de besoins, je vais parler de fournitures. L'élastique sous poitrine va être différent sur les plus petites tailles et il va être en fait différent sur la partie grande taille. On a deux élastiques sous poitrine pour pouvoir apporter un maximum de confort aux poitrines généreuses et d'avoir toujours du confort et un bon maintien pour les petites poitrines, mais on a besoin de deux tensions d'élastiques différentes. Donc pourquoi c'est vraiment important d'avoir les bonnes matières, les bonnes bases dès le départ. Pareil pour l'élastique qui va être au niveau du bonnet, au niveau du haut bonnet. Il y a deux élastiques qui sont différents. Il y a plein de choses comme ça. Il y a la partie dos cheminée également. Donc, en fait, vous voyez, on a des demi-lunes sur des poitrines plus généreuses, les grandes tailles, et pas sur les petites tailles. Donc, en fait, vous voyez, en fonction de votre taille, ça va modifier un tout petit peu en fait les fournitures. Et donc, pour bien séparer, c'est important de faire deux coffrets. Vous avez toutes les mêmes matières, vous avez les mêmes quantités, mais vous avez des fournitures qui vont changer en fonction de votre taille pour que ça s'adapte le mieux en fait à vous et à vos seins. C'est très clair. Merci, ouais, Charlotte. C'est clair, ok. Est-ce que c'est maintenant qu'on se déshabille ou on attend un interlude? On vous a pas dit. Et oui, on fait monter la pression dans 5 minutes, on enlève le haut. Non, mais il y a plusieurs choses que je voulais voir avec toi. Et peut-être même on peut faire l'exercice avec Séverine. Alors forcément, là, nos soutiens-gorge nous vont, puisqu'ils ont été faits sur mesure pour nous. Mais est-ce que tu penses qu'il vaut mieux, vas-y, dis-moi, pédagogiquement parlant, se parler des formes de soutien-gorge? Push-up, corbeille, on peut même tester Séverine. D'abord, ou se mesurer et voir ce qui ne va pas d'abord. Bon, on peut se faire un petit récap des différentes armatures. Oui, Séverine, je pense que tu vas avoir une question pour une championne en lingerie. Oh là 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 là. Est-ce que tu es prête, Séverine? Je débute en armature, moi. Mais elles sont... Alors, attendez, je prends une feuille... Alors, j'ai l'impression que je refais mon tout premier cours. Bon, je fais ces petits croquis et je le fais aussi dans Éternel. Je vous refais un petit point dans Éternel là-dessus aussi. Alors, il existe plein d'armatures différentes en fonction de style, mais il y a un peu les basiques, voilà, des bons basiques. Donc, nous avons une armature qui va être une armature qui va être. Alors, je vais essayer de pas faire de, je vais pas gommer. Hein. Voilà. Qui est une, on va dire, un bon emboîtant, voilà, qui remonte même un peu plus, je dirais. Voilà, on est plus là. Donc là, on est vraiment sur une armature qui va donner un soutien-gorge qui va venir bien emboîter le sang, qui va venir recouvrir bien au niveau du décolleté. Excusez-moi. Donc là, on est vraiment sur un bon emboîtant. Donc en général, on voit quand même qu'il y a toujours un peu une différence, c'est-à-dire que si je dois tracer un petit trait, je vais mettre A, en mettre B. Mon point A est légèrement plus bas que mon point B. Donc, mon point A, en fait, c'est mon séparateur. Donc, on est toujours un peu plus bas, mais on vient quand même... Il monte quand même très haut au niveau du séparateur. Et il vient vraiment haut ici aussi pour vraiment bien prendre tout le sein. Donc, c'est des armatures qui sont beaucoup utilisées sur la poitrine qui va être plus généreuse. On va avoir... Donc, je vais faire... on va avoir le push. Voilà, donc le push, on est sur quelque chose qui remonte énormément et un entre-sein qui va être tout petit. Donc pour vraiment avoir cet effet de push-up, en fait, tout simplement, ça vient pousser les seins. Et ici, c'est assez court pour avoir vraiment un très beau décolleté. On va dire plutôt un décolleté plongeant. On va avoir aussi tout ce qui va être corbeille. Alors, la corbeille, oh là là, les arrondis. La corbeille, souvent, un peu comme l'armature qu'on va utiliser dans le corset, c'est-à-dire donc le balconnet ou la corbeille vont être le plus souvent, alors théoriquement parlant, souvent quand même le B est quand même un tout petit peu plus haut, mais on a souvent le A et le B qui sont au même niveau, donc entre seins et sur les côtés. On peut avoir aussi de la demi-armature,
Donc ça, c'est des toutes petites armatures qu'on va souvent retrouver sur un soutien-gorge qui va être soi-disant ou un triangle sans armature. Et en fait, vous avez une mini-armature en dessous qui est juste là pour tenir un petit peu. Mais ça, c'est vraiment de la demi-armature. Vous avez aussi le mono-armature, voilà, qui est très intéressant à travailler. J'aime beaucoup. Voilà. Donc en général, le mono-armature, c'est bébé et le A, en fait, il est inexistant. Ça remonte un tout petit peu, mais c'est tout. Et nous, on a voulu. Alors, ça, on va dire que c'est des classiques. Il existe en fonction des fournisseurs. Ils aiment bien aussi innover et avoir des formes parfois qui vont vraiment s'adapter à un produit. Le corset, où on va avoir quelque chose comme ça, mais qui va monter parfois beaucoup plus haut pour vraiment bien prendre le haut d'un bustier corset pour un mariage, pour ce genre de pièces-là. Donc après, il existe bien sûr d'autres armatures, on va dire que c'est un peu les classiques. Et nous, on a voulu faire, entre l'emboîtant et le push-up, un truc un peu sexy, sensuel, mais qui puisse s'adapter aussi à de la grande taille, parce qu'il faut qu'on pense à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui va être plus haut, et notre point A, en fait, sur l'éternel, il est un peu plus bas. Il n'est pas aussi bas que le push, mais en fait, il est un tout petit peu plus bas, ce qui permet d'avoir quelque chose qui ne remonte pas non plus trop, surtout aussi pour les petites tailles, parce que du coup, sur les petites tailles, ça ne serait pas été très esthétique. Donc on a essayé de trouver un compromis entre les deux. Voilà. Désolée, je n'ai pas du tout fait travailler... T'as oublié ton élève, ouais. J'ai oublié mon élève. Sorry. Ton fiancé te fait dire que tu es toujours très forte dans les mimes. Dans les mimes? Oui, je crois que tu fais des gestes. Donc, on embrasse Pierre-Yves. J'ai quelques questions que je te pose, que je pose à Séverine. On nous dit les millimètres. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est une question philosophique. Les millimètres sont donc très importants? Oui. Et là, on voit Séverine convaincue. Oui, sur de l'armature, sur soutien-gorge avec armature, sur du sans-armature, non. Clairement, non. L'armature, oui. Tout va se jouer au millimètre. Déjà, la gradation se fait déjà au millimètre, mais alors au millimètre, parfois sur certains endroits. 0,2, 0,3, enfin. Et en plus de ça, on coud avec des valeurs de couture qui vont être différentes. Donc ça aussi, c'est important. Parfois, on coud à 0,4, parfois, on coud à 0,5, parfois, on coud à 0,6. Et c'est important de respecter ça parce que, tout simplement, si on ne coud pas à la bonne dimension, je prends l'exemple même de l'entre-sein, qui est l'erreur qui peut se faire dès le départ. C'est-à-dire qu'ici, sur l'entre-sein, sur éternel, on a une couture au niveau du milieu sein parce qu'on a voulu mettre en avant la dentelle. Mais en termes de style, je n'avais pas envie d'avoir quelque chose de droit. Vous voyez, je n'avais pas envie... je vais le faire très rapidement, mais ici, je ne voulais pas que ça fasse droit, comme ça, au niveau de l'entre-sein. J'avais envie qu'on ait quelque chose d'un peu plus sympa. Et surtout, parfois, ici, sur les grandes tailles, qu'est-ce qui peut se passer là? C'est que ça robique, donc c'était pas esthétique, donc, et pas confort. Donc on a décidé là de couper, et donc en fait ça part en angle en soi. Voilà, ça part comme ça. Mais ici il y a une couture. Si vous faites cette couture à 0,6 au lieu de 0,4, il me semble, je pense que c'est ça, parce qu'elle a changé mille fois j'ai changé mille fois de valeur de couture. Donc normalement c'est 0,4. Comme dans le cours. Hein. Voilà, exactement. Vous suivez exactement ce que je dis dans le cours. Mais si vous faites à 0,6, mais parfois vous allez pouvoir vous retrouver ici, derrière. Et Pauline, qui ne coupe pas, dit c'est 0,7. Pas au milieu. Oui, oui. Et bien là, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que vous allez vous chevaucher. Et en fait, après, le protège-armature, déjà, vous allez avoir un problème pour coudre votre protège-armature. Mais en plus de ça, vous allez avoir un soutien-gorge qui va être complètement déséquilibré. Vous n'avez plus d'entre-sein. Donc, tout va être mis sur le devant. Les bonnets ne vont pas bien venir se placer. Ça veut dire que la bretelle, tout va être vraiment, en fait, décalé vers, en fait, le devant. Donc, ça, ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment respecter toutes les valeurs de couture et l'équilibre
du soutien-gorge. C'est pour ça, je reviens là-dessus, mais c'est important, c'est pour ça qu'on ne peut pas modifier comme ça un patronage de soutien-gorge. Oui, et Marie nous dit, des millimètres au secours, je retrouve le CAP. C'est vrai que c'est, si vous êtes passé par notre parcours CAP, ça ne vous fera pas peur de coudre au millimètre. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on voit aussi en couture lingerie. Je pense que Séverine, tu ne diras pas le contraire. On est habitué à des rapports en pré-tape qui ne sont pas du tout les mêmes. En lingerie, on coud beaucoup plus petit. Oui, exactement. Je vous propose une petite pause historique avant qu'on enlève le haut. Ça te va? C'est fou. Il est 22h14. Il va faire très chaud à 22h30 sur le plateau. Alors, je vous avais laissé tout à l'heure avec une problématique incroyable, une véritable dissertation. Mais rapidement, parlons un peu du premier 20e siècle qui, en fait, est le moment où le soutien-gorge va connaître sa vraie première naissance, tout simplement parce que le corset va disparaître. En fait, je vous disais que déjà, on se rendait compte qu'en termes de santé, ce n'était pas forcément une bonne chose, mais il y a aussi quelque chose qui apparaît au début du XXe siècle, enfin deux choses pour les femmes, pour les hommes aussi dans un cas, mais il y a le travail et il y a... Alors attention, on parle de l'aristocratie, hein, parce que les femmes des classes populaires travaillaient depuis longtemps, mais il y a aussi les loisirs, avec l'arrivée du sport, avec l'arrivée de tout ce qui est balnéaire aussi. On va voir qu'il va y avoir des liens très forts entre la lingerie et le balnéaire. D'ailleurs, toi, ta vie, c'est les deux. C'est exactement ça. Et donc, oui, tu as raison, j'ai complètement... Tout à l'heure, je ne vous ai même pas montré... En fait, c'était derrière, j'avoue. Oui, je ne vous ai pas montré, mais alors on voit... Ah, mais oui, c'est vrai, tu avais dit... Ouais, voilà, j'avais les fesses à l'arrière et les fins, la fameuse silhouette en S avec les corsets. Alors ça, c'est fin du 19e, mais il faut se dire que le corset, on lui a fait faire un peu, dis-moi si je me trompe, mais ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on aimait les ventres un peu bombés, il y a des moments où on aimait les tailles très fines, des moments où on mettait plus l'accent sur les... La femme a subi je ne sais combien de changements. Oui, c'est ça, et vraiment, le corset était un instrument de sculpture. Exactement. Pas dire de torture, mais les deux allaient ensemble. Bon, mais en tout cas, ce corset, vous vous doutez bien qu'il n'est pas pratique pour le sport. Attendez, je ne vous montre pas tout de suite ça. Et donc, on va avoir besoin de créer quelque chose qui puisse nous aider à faire du sport. Il y a deux femmes, parce que ce sont des femmes quand même qui ont répondu à la problématique au départ, et ça, c'est lourd de sens, parce que les corsets avaient été créés par des hommes. L'une qui s'appelle Marie Tussex, je ne sais pas prononcer son nom, qui a déposé un brevet de ce qu'elle a appelé un breast supporter. Donc ça, c'est fin du 19e, c'est 1893 pour être exact. Je crois que j'ai mon petit brevet là, de breast supporter. Donc on voit l'idée, hein. On a quand même des premiers marqueurs du soutien-gorge selon toi. Ah, il y a la base, il y a le bonnet qui est moulé, donc il y a du volume. Les bretelles, on est limite, en fait ça me fait limite penser à un soutien-gorge médical, il y a quelque chose qui est très médical dans ce modèle-là, mais en tout cas on a les codes, il y a les codes qui sont là quand même. Les premiers codes sont là, sachant qu'en France on a quelqu'un d'autre qui s'appelle Herminie Cadol, qui va avoir une très, très forte influence, mais qui commence d'abord par séparer le haut du corset et le bas du corset, avant même de construire le soutien-gorge seul. Au départ, on commence à délier le haut et le bas, avant même de mettre des bretelles et des choses comme ça. Et elle, c'est à l'occasion de la fameuse exposition universelle, j'allais dire à l'occasion de la Tour Eiffel, mais c'est un peu ça, de 1889, qu'elle décide donc de couper le corset sous la poitrine pour arrêter de faire souffrir les femmes. D'abord, on essaye de... libérer le diaphragme avant même de libérer la gorge. Donc elle appelle son proto le bien-être. Et donc là, on entend dans ce nom vraiment toute cette idée de, d'abord, c'est une question de santé et de libération pour respirer littéralement. Et c'est elle qui va vraiment inventer toute la mécanique du soutien-gorge, c'est-à-dire bonnet, bretelles, armature, dos. C'est ça la mécanique du soutien-gorge. Exactement. Eh bien,
Mauvaise nouvelle, ça ne fonctionne pas très bien, en tout cas dans les premiers temps, parce que justement, Herminie Cadol, elle ne s'occupe pas de ce qui était le critère de beauté de l'époque, c'est-à-dire la finesse de la taille. Elle s'occupe de la gorge. Et donc, pendant longtemps, elle a du mal à convaincre, même si il y a quelques personnes qui la suivent. Et puis, on arrive dans les années 20, où là, elle va trouver une sportive qui la suit, qui est Suzanne Lenglen. Et puis, elle va trouver quelqu'un dont on se souvient un peu, puisque ça s'appelle Gabrielle Chanel. Et Gabrielle Chanel, c'est une réac, il faut bien le dire, mais c'est une réac qui a quand même fait énormément évoluer la mode parce que c'est une réac indépendante. Et donc elle veut pouvoir être à Deauville correctement. Et elle est après-guerre et elle pense à ses vêtements autour de cette forme très tubulaire, très androgyne, qui vont faire la marque des années 20, hein, parce que Madeleine Vionnet, etc., c'est aussi ça. Et donc, pour cette silhouette tubulaire qui est celle des premiers tailleurs Chanel ou des premières petites robes noires. Attendez, oh, mais j'ai oublié de vous montrer Herminie Cadol. Voilà, c'est Herminie qui a révolutionné quand même notre vie. Eh bien, donc voilà, on a la petite robe noire et les tailleurs des années 20, ce sont des structures tubulaires. Et donc, la gorge, elle prend trop de place avec les corsets. Et donc, là, on va faire autre chose, on va l'aplatir. Et j'ai cherché partout des images, j'en ai pas trouvé. Il faut aller directement les voir et leur demander. Mais des premiers, ce que Gabrielle Chanel appelait des aplatisseurs, donc des premières choses qu'elle a commandées, enfin, j'en ai vu dans des films, etc., à Herminie Cadol, ce sont des bandeaux, en fait. Et moi, ça me fait penser... Alors, il est plus large, mais le premier aplatisseur de Chanel, mais ça me fait penser à Ton Fougue, par exemple. Oui, c'est des vrais bandeaux... Et c'est intéressant parce qu'il faut le dire, aujourd'hui encore, le bandeau va aplatir la poitrine. Enfin, c'est très beau, hein, ça peut être très féminin, mais Alors, c'est fou parce qu'un bandeau sur une poitrine généreuse, il va l'aplatir un tout petit peu, va lui donner du volume. En tout cas, sur une petite poitrine, ça va aplatir encore plus. C'est vrai? Ouais, en fait, le bandeau n'est pas là, sur une petite poitrine, n'est pas là pour lui donner du volume. Ça, c'est sûr. C'est quand on a envie d'avoir un look peut-être qui est effectivement parfois plus androgyne ou qu'on a l'habitude de porter le bandeau parce que le bandeau c'est pratique quand on a des épaules aussi dénudées, des choses comme ça. Il existe des bandeaux également avec armature, mais là sur du sans armature, effectivement sur une petite poitrine ça va venir plus l'écraser, enfin plus l'aplatir pardon que l'écraser. Et une poitrine généreuse, on va moins avoir cet effet-là. C'est vrai que moi je trouve le bandeau ça peut être très féminin et le fait de décider d'aplatir ou de changer la forme, et c'est ça qu'on essaye de vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui on parle d'armature, il y a déjà un jour où chez toi on parle de bandeau, on parle de soutien-gorge sans armature, il n'y a aucune pour nous opposition entre des choix esthétiques. Comme tu dis toi aussi, il y a des jours où tu n'as pas de soutien-gorge, tu as du sans armature, tu as de la brassière et tu as de l'armature. Moi je l'avoue, hein, parfois j'ai animé des masterclass, je n'avais pas de soutif. J'aurais jamais... rien du tout. Je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire il y a 3 ans. Et moi, ce qui est fou, c'est que moi, je porte pratiquement que de l'armature. C'est vrai? Ouais, toi, t'es une fan d'armature. Et beaucoup de bandeaux. J'aime beaucoup le bandeau l'été, choses comme ça, ou rien. Voilà, rien du tout. Mais j'aime beaucoup l'armature. Et je porte beaucoup Éternel depuis que je l'ai. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc, je vous le disais, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Gabrielle Chanel, Schiaparelli, tous ont dit que le corset, c'était impossible. Et donc, il va naturellement disparaître après la Première Guerre mondiale. Et puis, les femmes au travail pendant la Première Guerre, elles ne peuvent pas. Vous les imaginez à l'usine encombrées d'un corset, ça serait quand même... Non, c'est impossible. Donc, après les années 20, on est dans l'euphorie, on dit que c'est la SF, on parle des rugissantes années 20, des roaring 20s en anglais. C'est vraiment le mouvement qui va guider cette société, la danse, l'euphorie. Donc, cette silhouette de la femme, elle se transforme dans cette période de libération et le soutien-gorge bandeau, il est même tricoté chez soi. On se tricote des soutiens-gorge et Gabrielle Chanel va voir Herminie Cadol et lui fait créer des soutiens-gorge bandeau pour ses robes. Et puis arrivent les années 30. Et puis surtout dans les années 30. Et... la forme fait aussi qu'il y ait du bandeau. Enfin, il y a vraiment aussi quelque chose. Oui, c'est comme ça. Il y a une esthétique. Il y a une esthétique. Oui, exactement. Mais les années 30,
vont briller au cours des années 30, puisque vous savez, il y a les premières crises, enfin, il y a 1929, etc. Et quand, qui dit crise dit généralement retour aux valeurs traditionnelles pour la femme. Et donc, petit à petit, le repli, enfin, il va y avoir un véritable repli sociologique vers la fin des années 30. Et on va perdre des prérogatives gagnées, et c'est une façon de le rappeler aussi, ce qu'on gagne un jour, on peut le perdre très vite, en tout cas en tant que femme. Donc rien n'est gagné, hein, on le rappelle quand même. Et c'est l'occasion notamment pour les pays fascistes, et puis on le verra en France aussi évidemment pendant la guerre, d'exalter la femme fertile, la femme mère. Et donc cette femme-là, eh bien, elle est esthétiquement avec des seins généreux, mais elle doit être discrète. Et donc, on va petit à petit avoir une transition. Certes, on va garder le soutien-gorge qui est fait pendant la guerre d'objets de récup et de choses comme ça. Mais les seins vont prendre une autre dimension. Les seins vont être réifiés, soit pour le côté maternel, soit pour le côté érotique, ce qui est pas tant le temps, le temps, le cas que ça au moment du corset. Et donc, on va arriver donc après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième, à deux choses. D'une part, au côté pin-up que les Américains vont ramener. Alors, il faut savoir que les Américains, pour le coup, étaient en avance technologiquement sur tout ce qui est industrie textile. Donc, ils ont le nylon, ils ont plein de choses, et ils vont le ramener pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils vont nous amener ces pin-up, ces femmes, pour le coup, qui sont très libérées et qui vont être dans l'inconscient des soldats américains, qui vont représenter quelque chose. Elles sont pendues sur leurs avions, elles ont une poitrine généreuse et pointue, ce qui me permet de parler du soutien-gorge obus. Je crois que le nom est bien trouvé. C'est quelque chose qui va vraiment beaucoup se développer dans les années 40 et 50. C'est un soutien-gorge pointu, c'est ça ? C'est ça. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà. Oui, je me suis dit que là on voyait quand même bien ce qui se passait. ce sont des catalogues de mode des années 50. C'est fou. Hein. Et enfin, c'était... Enfin, ça ne les choquait pas. Ce que je veux dire, c'est que nous, aujourd'hui, ça choque l'œil au sens où on n'y est pas habitué. On trouve ça quand même étonnant, cette esthétique pointue. Mais c'était l'esthétique recherchée des années 40-50. Donc, attends, je t'ai même mis... Alors là, c'est Marilyn avec un soutien-gorge pointu au but. Et donc, on voit la constitution que tu peux peut-être commenter mieux que moi, où c'est pointu, en fait. Je ne sais pas quoi dire de plus. Oui, c'est la forme. En plus, surtout que je pense qu'il y avait... parce que ce n'est pas la forme naturelle du sein. Oui. Clairement pas. Donc, pour donner cet effet-là, donc soit c'était des tulles très rigides, soit c'était aussi un aspect un peu matelassé. Tout simplement, c'était du satin qui était recouvert de mousse. Et on avait vraiment un effet conique qu'on a retrouvé un petit peu après avec Jean-Paul Gaultier, enfin, un peu plus loin, mais qui a repris en tout cas ces codes-là. Mais il y avait quand même une structure importante pour qu'on ait cette forme de sein en ayant un t-shirt ou quelque chose, de la maille en fait, par-dessus. C'est quand même assez fou. C'est vrai que quand on y pense, parce qu'on n'est pas du tout sur un sein, quoi. Mais non, on n'est pas sur un sein. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, on s'en aperçoit là rétrospectivement, ouais, mais ce qu'on attend de l'esthétique du sein n'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, un beau sein, c'est un sein rond, entre guillemets. C'est ça. Alors que là, un beau sein, c'était un sein pointu. Et comme c'était assez coûteux de s'acheter des soutiens-gorges comme ça, les femmes mettaient du carton dans leur soutien-gorge pour créer bien maintenir cette forme conique. Et c'est vraiment un nouvel érotisme qui vient des US, qui est des États-Unis, et qui va arriver par exemple au Japon, où par exemple au Japon, c'était pas du tout sexuel un sein. Il n'y avait pas du tout d'érotisation du sein, et les soldats américains arrivent, occupent le Japon, et les Japonais vont se mettre dans les théâtres, à proposer des esthétiques féminines. Avec des soutiens-gorges et des soutiens-gorges coniques. Et on utilise même pendant longtemps les toiles de parachute américains ou français pour faire de la lingerie avec des matières synthétiques qui coûtent moins cher, mais qu'on a besoin de recycler parce qu'on ne sait plus quoi faire de toutes ces toiles de parachute. Et toujours est-il qu'au Japon,
on parle jamais de saints et c'est pas érotique avant, avant 1950. Aujourd'hui, si vous ouvrez un manga, c'est la femme. Ça déborde. Et ce qui est dingue, c'est que c'est pas du tout la morphologie de la femme au Japon ou la morphologie asiatique en général. C'est vraiment un fantasme. Et c'est vrai. C'est limite trop. Enfin, on est vraiment sur quelque chose. On est sur des. Mais après, on voit aussi. Bon, on va aller peut-être trop loin, mais on voit aussi dans des jeux vidéo, des choses comme mais ça. C'est ça, la femme. Lara Croft ou. Voilà. Mais quelque part, effectivement, c'est uniformisé. C'est-à-dire que même la représentation dans l'érotisme japonais ne correspond pas à la réalité. Elle ne comprend pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que femme au gros sein, au sein très rond, égale femme érotique. Heureusement, la réalité est très différente. Et heureusement qu'il y a plein de morphologies et qu'on peut avoir d'aussi belles photos. Mais voilà. Et donc, autre rupture dans les années 50, c'est évidemment la silhouette New Look de Dior aussi, où effectivement, on revient à cette taille très fine. On revient alors à des jupes très volumineuses. Hein. Dior, c'est 20 mètres de tissu pour une jupe Dior. Et donc, on revient un peu à une esthétique de début 1900. Et le soutien-gorge pointu vient accentuer cette esthétique. Donc au fond, les gros bonnets crèvent l'écran, on a Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida, mais c'est aussi l'époque où les marques de prêt-à-porter en soutien-gorge apparaissent, Lou, Obad, Empreinte, Simone Perel. Donc voilà, c'est ça les années 50, et j'arrête, on sort pas, on conclura tout à l'heure sur le deuxième. Mais je trouve que c'est hyper intéressant, l'histoire du soutien-gorge, et après, enfin parce que je trouve que quand même, il y a, c'est quand même très lié. Mmh. Ce n'est pas juste un produit. C'est lié vraiment à la femme, à ce qu'on souhaite de la femme, de l'image de la femme. On se rend compte quand même qu'on est quand même depuis longtemps dans le même cycle. C'est un peu toujours la même chose. Et en fait, après aussi, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est au moment où ils ont voulu... alors peut-être que c'était dans ta conclusion, donc je ne veux pas... Mais moi, ce que j'ai apprécié à un moment, c'est qu'on s'est dit, bon, mais on va le montrer, le soutien-gorge. Souvent, quand on est dans des boutiques, moi, je me souviens d'avoir accompagné une fois ma grand-mère, et donc il n'y a pas si longtemps que ça en soi, mais c'était dans une très belle boîte, il n'y avait pas de vitrine, on est sur quelque chose de secret, ça ne se montre pas, et on parle de ça, c'était peut-être en 2000, ou même un petit peu avant, donc il n'y a pas si longtemps, et maintenant, c'est complètement différent. Maintenant, il y a des défilés de lingerie à la télé, donc ça, c'est chouette, sans cache-téton. Il faut se le dire, c'est quelque chose qui est quand même... Oui, il faut s'en parler du cache-téton et du téton en général. Voilà. Ça mériterait 2 heures, le téton. Non, mais c'est ça, parce que j'ai trouvé ça génial, moi, qu'enfin, une chaîne de télé accepte, en tout cas, de diffuser un défilé et qu'on aperçoive les tétons, parce que c'est normal en soi. Ça fait partie de nous, c'est tout à fait totalement normal. Et donc voilà, bon bref, il y a tout aussi une histoire qui accompagne, mais je trouve que l'histoire du produit, mais du packaging, de comment on va mettre en avant un soutien-gorge, parce que c'est difficile en fait de mettre en avant un soutien-gorge quand il n'y a pas de mousse, quand il est mou, pour le mettre en avant, pour que les gens puissent comprendre la forme. Donc, et il y a eu aussi toute la partie marketing, merchandising, tout ça, qui a aussi travaillé à côté. Et je trouve que le déroulement et l'histoire du produit en lui-même, comment il a été amené au public, est vraiment hyper intéressant. Alors, je te propose qu'on fasse juste une petite pause question avant de nous déshabiller. Alors, on nous dit, plus généralement et pas forcément pour l'éternel, peut-on récupérer les armatures d'anciens soutiens-gorge pour les réutiliser ? Non. Alors, il faut savoir qu'un soutien-gorge est égal à une armature. Parce que le patronage en lui-même a été réalisé par rapport à cette armature, donc la dimension de l'armature. Et en plus de ça, la gradation a été réalisée par rapport aussi à la gradation de l'armature. Comment l'armature, elle bouge d'une taille à une autre. Donc tout est lié à l'armature. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien avoir la bonne armature. En fait, vous pouvez avoir un très bon soutien-gorge, un très bon patron, et ne pas avoir la bonne armature, et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que c'est important. Mais en tout cas, ce que j'ai répondu en question en général, c'est que vous faites votre prototype, vous utilisez les armatures que vous avez dans votre coffret. En fait, vous n'allez juste pas venir réaliser ici une fermeture au niveau de votre protège-armature. Vous allez le laisser ouvert, vous allez pouvoir glisser
vos armatures, l'essayer, voir si ça va ou ça ne va pas, et après vous enlevez vos armatures et vous pourrez tout simplement les réutiliser dans votre soutien-gorge, dans votre beau tissu. Alors, autre question. On nous dit, je repose ma question, pour les poitrines les plus fortes, pour les poitrines plus fortes que votre tableau, quand est-ce que nous allons avoir un modèle plus grand? Alors, alors. Soupir parce que ça a déjà été. Comment? Oui. Ouais, c'est le tour de saillant qui est. Alors on regarde le tableau de taille. En fait, je pense qu'elle est entre un H et un I. Mmh. Là, en fait, on est sur. Je viens d'écraser une petite bête. On est quand même sur. On change en fait complètement de gamme et pour moi. On a décidé, on aurait pu aller encore plus loin en termes de taille, mais pas avec ce modèle-là. Mmh. C'est-à-dire que là, on a atteint les limites du modèle, de l'armature, sur ce modèle-là qu'on a voulu faire. Parce qu'après, en fait, en soi, on aurait pu continuer à grader, mais il ne vous aurait pas apporté le maintien qu'un soutien-gorge vous avez besoin, surtout quand on commence à être vraiment dans des poitrines qui vont être très généreuses. Et du coup, il y a quand même plusieurs contraintes et surtout des choses réellement à avoir dans le soutien-gorge pour qu'il puisse vous aller correctement et qu'il ne vous blesse pas, qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est pour ça que celui-ci, il s'arrête 70G parce que c'est sa limite et qu'au-delà, il ne correspond pas en fait, aux autres poitrines. Clairement, il pourrait limite vous blesser plus qu'autre chose, donc ce n'est pas le but. Donc après, ça veut dire que c'est un autre développement, mais alors ça serait un développement qui serait basé du E ou du F jusqu'au J, etc., etc. Donc voilà, on ne serait pas sur un développement qui serait pour la taille qui va être plus petite, mais vraiment un développement grand taille. On s'est même posé la question en plein travail de même séparer à un moment le soutien-gorge, d'avoir deux soutiens-gorges. Parce qu'on a eu énormément de problèmes de gradation, il faut se le dire, ça a été très compliqué la partie gradation. Et bon, grâce à une équipe de fous, on a réussi à pouvoir avoir le même soutien-gorge, le même modèle du A au G. Mais il faut savoir que ce n'est pas juste une gradation comme ça, et c'est la gradation qui fait énormément dans un soutien-gorge. La base et la grada. Donc, peut-être qu'un jour. Un soutien-gorge d'une autre forme, mais en tout cas, celui-là, c'était, ouais. Ce qui était raisonnable pour nous, c'était de l'arrêter. Enfin, si on voulait que le produit se tienne. C'est ça. Le but n'est pas de vendre un produit. Ce n'est pas d'exclure une taille ou une autre, c'est que celui-là, il était fait pour cet éventail qui est relativement large, mais qui ne pouvait pas pousser plus et maintenir une qualité et une exactitude telle qu'on aurait voulu. Parmi les autres questions, alors, est-ce qu'il y a donc des armatures différentes pour chaque taille? Oui. Est-ce que par rapport à l'armature entre l'emboîtant et l'autre, j'essaye de comprendre vos questions en même temps, entre l'emboîtant et l'autre, donc entre ces deux formes, est-ce qu'il n'y aura pas de risque que la poitrine se fasse la malle si on a une forte poitrine? Non. Alors je pense que vous pouvez. Moi, je suis prête à. Sur les photos. Tout à l'heure, je bougerai. Vous alors, il faut savoir que donc Anne-Sara vient d'accoucher. qu'en fonction des heures, elle a le sein forcément qui est plus plein parce qu'elle allait aussi. Donc on peut avoir des seins qui pourraient être très fuyants aussi à ce moment-là. Claire a des seins très fuyants. Faut se le dire. Souvent dans les tests, je me base beaucoup sur Claire. Alors, Charlotte est un peu folle. Elle a des seins, elle parle de seins de façon bizarre. Donc il y a les seins qui s'enfuient. Il y a des pistes de ski. Voilà. Bon. Parce que je le vois pas comme, c'est bizarre. Je vois le sein comme un être vivant. Apparent. Oui, voilà. Je sais pas. Mais voilà, donc elle a un sein qui, elle a des seins qui fuient. Claire, pareil Clotilde. Clotilde, là, on est sur un G, hein. On est sur un 110G, on est sur le max, hein, sur Clotilde, 105,
je crois que c'était 105 hein, sur Clotilde, et avec une demi-lune à l'intérieur pour avoir un super bon maintien, et on n'a pas eu de problème. Et croyez-moi, Clotilde en shooting, elle danse, elle bouge. Ouais. Et en fait, ça se voit, enfin, je veux dire clairement, je me permets un sein comme ça, c'est-à-dire emboîté à ce point-là, ne peut pas partir. C'est pas possible. Elle peut bouger dans tous les sens. Il reste là où il est. Il reste là où il est. Parce qu'il y a l'armature, mais surtout parce qu'il est très emboîtant. On a quand même, il a un entre-sein qui est beaucoup plus large. Donc en fait, il attrape vraiment le sein. Il l'englobe. Donc avec ça, c'est pas possible que ça se fasse la malle. Tac-tac. Donc ça ne se fait pas la malle. On vous fera une démonstration. Est-ce qu'il y aura d'autres coffrets dans quelques mois ? Alors déjà, il y aura des coffrets chez Charlotte d'autres choses, d'autres modèles. J'imagine que tu prévois des choses pour le CSF et pour les oui. suivre. Et alors là-dessus, sur celui-là, on va faire avec le stock qu'on a. Je pense que c'est ça. Déjà, on nous demande s'il va y avoir d'autres couleurs et tout. On a voulu faire un nom temporel, donc on est parti sur du noir et sur une dentelle qu'on trouvait à la fois moderne et classique. Oui, complètement. Je pense qu'avec le cours, si vous voulez faire d'autres variations et tout, vous trouverez ce qu'il faut chez Charlotte en termes de matière, etc., à l'occasion de tes coffrets, oui. matière et des choses comme ça. L'armature, ça sera... L'armature, on l'aura en c'est vente. C'est ça, exactement. On nous demande est-ce qu'on l'aura en vente au CSF. Eh ben, c'est une bonne question. Alors, pas moi, je me suis posé la question pour vous. Donc, il faut qu'on se pose la question. Mais on va peut-être se débrouiller. En fait, ce que je vous conseille pour le CSF, sur le, je me permets, hein, les filles, vous me dites si je vais droit dans le mur, c'est déjà de regarder le cours prise de mesure impérativement. Pour que quand vous arrivez sur le CSF, si vous avez envie de voir les matières, de les toucher et pouvoir le prendre, comme ça vous pouvez directement dire, ben moi je sais que je fais tant en armature et hop, elle sera glissée en fait, je pense, dans votre coffret. Donc prenez vos mesures avant, sinon je pense qu'on n'est pas très loin en termes de stand. Et si vous avez un doute au niveau de la prise de mesure, il y aura Océane, il y aura Séverine que vous allez retrouver aussi sur le stand, ou moi-même, et on pourra reprendre les mesures. Parce que je sais que ça, c'est quelque chose sûrement qu'elles vont avoir aussi, Artesane, beaucoup comme question, mais il va falloir avoir une base de mesures pour pouvoir prendre le coffret. Et donc, juste pour... On a une autre question, et donc je pense que il y a une petite erreur de compréhension. La personne nous dit, si je comprends bien, c'est la même armature pour toutes les tailles de l'option choisie. Alors, c'est la même forme d'armature, c'est-à-dire qu'on a cet emboîtant push-up, disons, mais en tout cas, en fonction de votre taille, si vous faites un 75 à 80, 85... Je pense que Pauline vient témoigner. À 90, ça change. On a un micro. La taille est différente. Ah, bah viens, ah, viens. Alors pardon, peut-être que je ne comprends pas. Pauline. Alors, elle n'a pas les chaussettes d'Armel, mais elle vous parle très souvent sur les réseaux sociaux. Bonsoir. alors, je crois que la question, c'était parce qu'effectivement, on m'a dit qu'il y a des paquets de tailles sur les menus déroulants. OK, d'accord. Donc, c'est les tailles jumelées. C'est toutes les tailles, en fait, qui se correspondent à la même taille. C'est-à-dire qu'avec ce panel de tailles... par exemple, je prends le 90B parce que c'est une souche et c'est la base. 90B, ben avec le 90B, en fait, c'est aussi un 95A, c'est aussi un 95C, c'est aussi un 90D et c'est aussi un 75E. C'est-à-dire que vous avez la même base d'armature pour toutes ces tailles-là. Donc, c'est toutes les tailles en fait, qu'on va retrouver en tailles jumelées. Vous avez du coup quand même des tours de sous-poitrine qui vont être différentes. La profondeur de bonnet est différente, mais l'armature reste la même. Voilà. La taille d'armature reste la même. Si je comprends bien, Charlotte, si Jamie est prête, ça veut dire qu'en fait, quand on découvre son patron, si on a la même taille d'armature, pour autant, le patron va évoluer. Donc, il faut quand même faire attention à ça et bien prendre ses mesures en fonction de ça. Et en plus de ça, les tailles peuvent changer, attention, en fonction des matières que vous allez utiliser. C'est-à-dire que si vous utilisez un tube bloqué qui va être moins stretch, attention, vous n'allez pas rentrer dans votre soutien-gorge. Voilà, y a vraiment,
C'est l'enfilage de plusieurs trucs qui fait qu'il faut que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est ce qui était important pour nous, c'est de le vous présenter en coffret, parce que c'est tellement complexe en soi. Tous les choix sont importants. On avait pris d'autres choix d'élastique et en fait, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. On parle de quelques millimètres. Hein. J'avais pris un élastique pour le sous-poitrine, mais sur les grandes tailles, ça ne correspondait pas. On a dû avoir une tension plus forte sur l'élastique sous-poitrine, etc. etc. Vous voyez, tout est une question d'élasticité, de taille, de tension et de bonne matière. Est-ce que Séverine est toujours là ? Ah oui, ma petite Séverine. Juste, il y a une énorme angoisse sur est-ce qu'il y aura des armatures disponibles oui. à l'unité ? Donc je le redis oui. publiquement, la réponse est oui. On fait notre mail pour le mettre en ligne très bientôt parce que tout le monde me dit mais quand ? Donc dès qu'on a réussi à... respirez sous votre flot de commandes. On va s'occuper de les mettre en ligne pour que vous puissiez en commander. Il y a des inquiétudes aussi sur les gens qui sont entre deux tailles, ouais. Entre deux armatures. Donc, on les mettra aussi à un prix attractif. Et je pense que ça sera disponible sur nos sites. Voilà. Et quand vous avez une taille d'armature qui vous correspond sur ce modèle-là, je vous conseille de faire des razzias. Voilà. Ouais. D'en prendre plusieurs d'un coup. On va faire beaucoup d'argent avec ça, c'est clairement. Pas trop sur l'armature. Oui, c'est ça, c'est pas très cher l'armature, vous inquiétez pas vous en inquiétez tout cas. Pas. Et donc, une question pour Séverine, parce que je sais pas, je me dis que peut-être merci. Séverine saura répondre. C'est un piège. Si au premier prototype, on se rend compte que le bonnet est trop grand ou trop petit, on ne peut pas changer de taille de bonnet puisqu'on n'aura plus la bonne armature. Qu'est-ce que tu en penses, Séverine ? Est-ce que c'est une très bonne question ? alors, attends, répète-la doucement, que je fasse une réponse qui soit cohérente. Si au premier prototype, on se rend compte que le bonnet est trop grand ou trop petit, on ne peut pas changer de taille de bonnet puisqu'on n'aura plus la bonne armature. Que faut-il faire ? Eh bien, oui, les fameuses tailles jumelles. Et je n'ai pas le tableau sous les yeux. Non, c'est exactement ça, c'est vrai. Mais ouais, en fait, potentiellement, il va falloir changer effectivement de taille d'armature. Parce que... Alors, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut totalement... En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder ses tailles jumelées. C'est-à-dire qu'il faut regarder dans son tableau. Donc, on vous a mis les décalages, on vous a mis en fait un tableau dans le livret. Vous avez, je vous expliquerai aussi, parce que ça, c'est important, ça a été aussi un grand truc dans la gradation et la logistique. Mais vous avez un tableau où il y a marqué décalage de taille, donc... Faites comme si le décalage de taille n'existait pas. En tout cas, vous avez des correspondances. C'est-à-dire qu'avec la même armature, vous allez pouvoir avoir peut-être un bonnet plus important, un tour de sous-poitrine qui va être plus petit, plus grand, avec la même base d'armature. Donc ça, c'est important. Déjà, il faut tester par rapport à ça. Et si ça ne va toujours pas, c'est-à-dire que ça ne correspond pas, on le sait. L'équipe artisane le sait. Qu'il va y avoir peut-être du SAV là-dessus, c'est-à-dire que il y aura. Elles sont préparées mentalement. Elles sont préparées mentalement à se dire bon, ok, ça ne va pas, donc il y a un échange, un renvoi d'armature avec la nouvelle taille. C'est pour ça que le prototype est très important. Mais avant ça, il faut quand même bien regarder, déjà voir, partez de votre taille et en fait vous dites bah attends mon dos il est un peu trop grand, je veux un peu plus petit. Tiens, si je trouve par exemple je fais un 90D, je me dis tiens je vais partir peut-être sur un 85E, donc je garde le même tour, je garde le même bonnet mais j'ai un tour du coup qui va être plus petit. Et bien avant je vais regarder dans mon tableau l'autre tableau d'armature pour voir s'il y a des correspondances. Voilà, ça c'est important. Et je me permets, parce qu'il y en a peut-être qui ont l'habitude de coudre de l'armature, et donc elles vont se dire, elles vont recevoir leur coffret, elles vont se dire, je ne comprends pas, ce n'est pas la bonne couleur. C'est-à-dire qu'il y a un code couleur, quand on les connaît bien, qui correspond à chaque fois à une taille.
pourquoi vous allez avoir parfois un décalage, c'est normal. C'est-à-dire qu'au niveau de la gradation et par rapport à ces armatures-là, on a décidé avec la modéliste gradeuse avec qui nous avons travaillé sur ce projet-là, de bifurquer d'une taille à une autre. C'est-à-dire qu'on va avoir, il va y avoir un décalage de taille, des petites tailles également, mais bien évidemment jusqu'aux grandes tailles, ce qui fait parfois des décalages de deux armatures. Donc, c'est normal. On vous l'a mis, le tableau, vous l'avez. Comme ça, il est là. Vous avez les indications. Et les indications correspondent au décalage, du coup, de l'armature. Mais du coup, vous pouvez vous focaliser aussi là-dessus quand vous cherchez vos tailles jumelées, parce que du coup, c'est pratique en termes de tableau, je trouve. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est compliqué, en fait. Quand on va aller sur des tailles jumelées, on ne sait pas forcément si notre taille d'armature, en fait, comment dire, cette armature, elle a elle-même des tailles jumelées, en fait. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, il faut que la taille, j'aurais dû choisir un autre terme parce que du coup, là, ça porte à confusion, mais il faut voir si notre taille jumelée va correspondre à la taille jumelée de l'armature qu'on a déjà. Exactement, c'est ça, c'est exactement voilà. Ça. C'est pour ça que c'est pas facile à comprendre. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'un soutien-gorge avec armature, c'est quand vous allez en magasin, vous essayez des soutiens-gorge, vous essayez de la bonne taille. Vous allez pouvoir en essayer 10. Mais dites-vous qu'un prototype, c'est un peu ça. Alors, je suis d'accord, il faut le coudre, du coup. Mais en magasin, vous allez les essayer, vos soutiens-gorge. Et là, c'est pareil. Il va falloir créer vos prototypes pour pouvoir les essayer. Parce qu'en fonction, vous savez très bien, en fonction d'une marque et d'une autre, que déjà, vous n'avez pas les mêmes tailles. Et en fonction des modèles, à d'autres modèles, vous ne prenez pas non plus parfois la même taille. La lingerie n'est pas simple. Je te propose que je me déshabille pendant que je te pose des questions. Comme ça, on fait tout en même temps. Écoutez, c'est parti. Tu peux mettre la lumière tamisée, s'il te plaît. Attendez, parce que moi, j'étais en train de tricoter avant la masterclass et je suis avec mon tricot, littéralement. Je vais le poser. Je me suis fait prendre la main dans le sac. Alors, en gros, on nous demande... Et la culotte, on en parle. Bah oui, on en parle, la culotte. Oui, c'est vrai, on se focus à fond sur le soutien-gorge. C'est bien la première fois que je me déshabille en public comme ça. Hein. Allons-y, soyons fous. Alors, la culotte, on a fait le choix, en fait, on a fait le choix, bien évidemment, de tout mettre aussi sur le soutien-gorge avec armature, qui est quand même une grosse pièce, une belle pièce avec ce tulle. Mais on avait envie de proposer deux culottes. Donc, vous avez un bas tout simple qu'on voit sur Séverine sur le shooting. Et vous avez la version avec empiècement. Et en fait, on part du patron simple et je vous explique comment... tout simplement créer des empiècements. Donc on a un peu de modélisme au niveau de la culotte pour que vous puissiez quand même vous amuser un peu dans le patronage. Alors je ne sais pas si je l'ai très bien mis là, parce que moi ça change toutes les 5 minutes en ce moment. Oui, oui. Ben là on n'est pas... ça t'a pas allaité... Oui. Bérine n'est pas là, donc vous voyez bien qu'elle n'a pas allaité. Là. Donc voilà, on sent que celui-ci... Voilà, il est à la fin. Il est... Carmel est en train de souffrir le martyr. Donc, voilà. Donc, mais en fait, on va juste reprendre les mesures. On va reprendre les mesures sur un... Attends, tiens, donc, tu veux que je te mette quelque part. On fait comme on peut, on improvise. Voilà. Donc, on va reprendre les mesures. Comme ça, vous pouvez le faire en même temps. Vous avez le tableau, vous mais avez tout. Mais regardez quand même le cours, hein, après. Là, c'est oui, juste oui. Pour vous montrer les points importants. Là, elle nous a bien apporté une bonne armature de 100, à mon avis. Oui, parce qu'on nous a demandé de voir différentes tailles d'armature et de voir différentes armatures pour comprendre les différences. Alors, pardon, je l'ai pas dit. 515. Et là, je crois qu'on a un 85. Alors, donc... Le mieux, c'est... Il y a deux écoles. Soit on est seins nus, voilà. Mais quand on a une poitrine généreuse, c'est toujours compliqué parfois de prendre ces mesures. On a eu beaucoup de questions ce week-end là-dessus. Donc, sinon seins nus, soit avec une petite brassière, vous pouvez. Attention à condition que la brassière ne vous écrase pas la poitrine. Il ne faut pas qu'elle écrase le sein. Parce que sinon, ça va fausser, en fait, tout simplement, les bonnes dimensions.
Donc sinon, vous pouvez mettre un soutien-gorge, vous avez l'habitude de porter. Et qui vous va bien. Alors, on prend le tour, je vais prendre le tour. On se tient droite. On se tient droite, on a les épaules un tout petit peu, voilà, on dégage pour pouvoir bien dégager le tour de sous-poitrine. On fait attention d'être bien parallèle au sol et on va prendre le tour en dessous. Je ne sais pas si je suis parallèle au sol. Je n'avais jamais vu les choses comme ça, mais je suis... C'est un peu perpendiculaire, je trouve. Donc, on se note toujours les dimensions. Je fais vraiment 79. Hein. Je sais que je ne connais pas mes mesures. Mais on les a pris, je ne sais pas combien de fois, mais du coup, tu changes tout le temps en ce moment. Et donc là, alors voilà. Donc là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, je me permets, tu me oui, dis, oui, de vraiment venir écraser le ruban sur le sein, parce que là, du coup, on va venir comprimer le sein. On vient en fait poser vraiment le ruban sur le saillant de poitrine. Donc, ça va être l'endroit le plus fort. Donc, en fait, on est au niveau du téton, tout simplement. Donc, on a fait le tour de sous-poitrine en dessous du sein. Et là, on vient se positionner au niveau du saillant de poitrine. Mais sans... Voilà, vous voyez, je n'écrase pas, je positionne juste. Je fais attention que derrière, ça soit bien parallèle au niveau du dos. Et je prends la dimension. Je ne te sers pas trop, là. Non, non, pas du tout. OK. Donc là, on va prendre en fait ces deux dimensions. Et à la suite hop là, de ces deux dimensions, on va pouvoir aller... Donc on sait qu'on a un 79,5 de tour de sous-poitrine. Et on a un 99, là, actuellement, de saillant de poitrine. Et donc, on va pouvoir venir dans son tableau de taille, chercher sa correspondance en tour de sous-poitrine. Donc là, le tableau de taille est bien fait. Et en fait, là, on est en 78-82, on se dit, ben, tiens, on n'est pas trop mal, on est sûrement sur un 95. Et après, on va essayer de chercher la correspondance. Donc là, 99, si je descends, on va être sur un 95D, mais attention, on peut ne pas être que sur un 95D. Peut-être qu'aussi, en fonction du dos, si ça ne va pas, on va être sur un 90F. Également. Vous voyez, ça peut vraiment bouger. Et en soi, on sait très bien qu'un 100B, ça ne serait pas possible. Voilà, imaginons. Ça ne serait pas possible. Parce que là, vraiment, on va manquer de profondeur au niveau du bonnet. Parce que souvent, il y en a qui prennent leurs dimensions et qui tombent sur des tailles du A, du B. Donc, regardez bien autour en fait, de votre taille. Mais parfois, c'est juste, il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne fait pas du 100B. On voit Anne-Sara, on sait que ce n'est pas possible. Parce qu'en B, elle va vraiment manquer de profondeur de bonnet. En réalité, je crois qu'on a fait un 90F. Et en réalité, on a fait un 90F. Sur celui-ci, j'ai un doute. Mais j'étais peut-être pas exactement aux mêmes mesures. J'ai un petit doute. Je sais plus. On a eu... Parce que ça, 90F, je crois que c'est Artemis ou Aphrodite. Non, c'est 85G. Bon, Anne-Sara change de sein tous les ans. Voilà. tous les mois, toutes les heures. Tant que vous êtes sur, tant que tu es nue, oui. On nous demande. Mon mari m'a appelé à ce moment-là. Je me demande s'il ne s'est pas dit, mais que fait-elle? Elle a pété un câble. Comment on fait pour gérer, puisqu'on a toutes et tous, de façon plus ou moins marquée, un sein plus fort que l'autre? Oui. C'est une question qu'on nous je pose. Je crois que là, c'est bien marqué. Oui, ouais, c'est lui. Lui, là, il sort complètement. Pardon. Oui. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Alors, c'est moi, ce que je conseille, le mieux, c'est de travailler sur le haut du bonnet. Vous avez un petit élastique qui est juste ici. Parce qu'il ne faut pas, bouger le patronage. Il ne faut pas venir travailler le patronage. Vous risquez d'avoir plus des problèmes qu'autre chose. Donc, ce que vous pouvez faire sur le sein qui est plus faible, qui est plus petit, vous pouvez donner un peu plus de tension sur l'élastique au niveau du haut bonnet pour vraiment que ça ne se positionne pas et que vous n'ayez pas quelque chose qui vient bâiller. Et à l'inverse, si vous voulez me donner moins de tension sur l'autre parce que vous savez que vous avez une poitrine qui va être plus généreuse, vous avez un sein qui est plus généreux, et bien à ce moment-là, vous donnez moins de tension pour éviter que ça vienne le scier. Voilà, c'est ce qui est le mieux à faire. Et Claudine, je vous réponds en direct. On l'a dit au tout début de la masterclass, le prototype, il faut que vous alliez chercher une matière, de préférence une dentelle ou un tube brodé, avec un niveau d'élasticité qui soit le même. Vous pouvez reprendre le début de la masterclass. Charlotte explique comment voir
le niveau d'élasticité. Voilà, mais en fait, l'avantage, c'est quand vous avez les matières, vous prenez la matière et vous avez vraiment déjà le toucher, vous savez, vous prenez une dentelle et vous allez vite comprendre ce qu'il faut pour le soutien-gorge. Sachant qu'on a un tube brodé qui est stretch. Attention, ce n'est pas un tube brodé pas stretch, il n'est pas bloqué. Et surtout, il a une très bonne tension, il n'est pas mou. Pour avoir un bon maintien, alors sur une petite poitrine, ce n'est pas dérangeant, mais une poitrine généreuse, on a besoin d'avoir du maintien. Et je suis maintenue. Ah, je vous avais promis, je le fais. Ça ne bouge pas. Enfin, si le micro. Bouge, mais, enfin, il ne s'enfuit pas, vous voyez, il reste. Alors là, il me va, mais à quoi je pourrais voir qu'il ne me va pas ? On l'entend bien ? Oui, ouais. Je disais là, le soutien-gorge ouais. me va. Alors, donc là, il lui va, on a quand même un sein là qui a envie de sortir un petit peu, mais c'est normal, il a besoin que Bérénice vienne manger, tout simplement. Le sein ne doit pas sortir. Voilà. Mais en fait, on le voit surtout au niveau de l'entre-sein. Lui se positionne très bien. Il tombe plus, entre guillemets, dans le... C'est ça, exactement. Tandis que lui, il y a une espèce de bourrelet. Alors, d'ailleurs, c'est un petit réel qu'on a fait avec Pauline et Fanny sur comment voir si un soutien-gorge aussi... Peut bien aller. Alors quand je parlais de piste de ski tout à l'heure, excusez-moi, je reviens là-dessus parce que c'est important. Donc souvent quand on a allaité, on peut avoir aussi des poitrines qui vont être plus lourdes et donc ça peut arriver d'avoir un creux qui est juste là. Alors je me permets, je ne sais pas si on va le voir. Un léger creux qui va être juste ici et c'est normal, la poitrine elle est lourde. Et donc souvent il peut se passer, par exemple, ce qu'on peut avoir ici. Qu'on peut avoir parfois des petits plis comme ça. Alors, en soi, ce n'est pas très grave. Il faudrait donner plus de tension en fait, à l'élastique au niveau du haut bonnet. Mais là, ça veut dire qu'on pourrait donner plus de tension pour qu'on n'ait pas ces petits plis. Il faut faire attention de toujours bien régler ces bretelles. Parfois, on a tendance à vouloir serrer, monter. Et en fait, vous voyez, il y a plein de plis qui se créent. On est en train de déséquilibrer le haut bonnet. C'est un truc... Moi, j'ai tendance à trop serrer. Oui. Et tu viens toujours desserrer la bretelle. Et Armel me disait que tu faisais ça avec elle aussi. Les gros bonnets, on a tendance à se dire ah, il faut tirer. Alors qu'au final, faut respirer un peu. C'est comme dans le corset. Il faut respirer et il faut bien descendre son dos. Voilà. Là, on a un dos cheminé. Vous avez un dos simple et un dos cheminé en fonction de ce que vous souhaitez porter. Vous avez trois crans, vous avez trois rangs, donc en fonction aussi de comment vous aimez porter plus ou moins serré. En sachant que moi, j'aime bien toujours se dire, alors je sais que ce n'est pas la norme, mais qu'on commence au plus loin. Et en fait, plus votre soutien-gorge va vivre, il peut aussi se détendre, et c'est normal en soi, à force de le laver. Et du coup, s'il se détend, que les élastiques se détendent, vous allez pouvoir tout simplement, hop, à chaque fois, prendre un cran en dessous. Et donc, il va vous aller aussi beaucoup plus longtemps et sa vie va être plus longue. Voilà. Après, bien évidemment, la forme, c'est important. Là, on a bien donc, une forme qui vient bien emboîter tout le sein. On ne le voit pas, mais il y a une demi-lune donc, à l'intérieur. Et c'est important, comme on le voit aussi sur Pauline, sur le réel, c'est-à-dire que c'est important la forme du soutien-gorge. On ne va pas lui mettre un petit triangle à Anne-Sara. Voilà, parce que clairement, ça ne lui tiendrait pas le sein et elle aurait les seins qui débordent de chaque côté. Un sein, un haut bonnet qui est trop serré, qui vient aplatir le haut comme ça et qui vient scier, là aussi, ça veut dire qu'il y a un problème de taille. On a peut-être besoin de rajouter un petit peu, rajouter un bonnet. Voilà. Et parfois, on a ici donc un peu la peau qui dépasse. Donc là, c'est pareil, c'est peut-être qu'il manque, on manque soit en tour de sous-poitrine, peut-être qu'il aplatit, qui serre trop, et du coup, quand on serre trop, eh bien, on a le petit bourrelet. Peut-être qu'il faut redonner un petit peu, donc redonner en tour de sous-poitrine, mais peut-être redonner aussi en bonnet. En fait, c'est qu'une question d'ajustement perpétuel. C'est un peu ça. Voilà. Non, pas de commentaire. Vous croyez que je peux m'en rhabiller ? Oui, je pense. Hop. Alors, hop. Mais on y est très bien, hein, je vous dis. C'est très chouette. C'est la première fois que je me rhabille et que je me déshabille en public. Enfin, comme ça, quoi. Quelqu'un qui tient un micro.
Tiens. Hop, je vais retrouver ma dignité. Hop, voilà. Oui, ou pas. C'est dans l'encadrement. Ah, là, je suis carrément. J'aurais tout fait. Masterclass. Bon, on se rappelle tous de Armelle sur le stand artisan en lingerie. Donc, je veux dire, à partir de ce moment-là. On était prête à renouveler l'exercice cette année. Donc, voilà. Vous verrez éternel sur Armelle au CSF. Donc, je regarde si j'ai pas. Donc, on a vu les différentes armatures. Les tailles jumelées. Ah oui, je pense que c'est Isabelle qui nous disait, je ne comprends pas la taille jumelée entre un bonnet A et un bonnet B. La profondeur n'est pas la même. C'est alors. On a répondu. Je pense qu'on a répondu, hein, c'est ça. Okay. Pense, dis-nous Isabelle si c'est clair. Qu'est-ce qu'on avait comme autre question? Comment faire quand on a un tour de dos fort par rapport à son tour de saillant? Tour de sous-poitrine 92, tour du saillant 97. Merci. Pardon, excuse-moi, tu peux répéter la question? Comment faire quand on a un dos fort, c'est-à-dire un tour de sous-poitrine plus important? Bah, 92 et tour de saillant 97. C'est pas... Oui, c'est pas... Non, non. Vous allez trouver, hein. Là, on est sur 92... 92, on est sur un 105, 90... Ah, je comprends, d'accord, je comprends par rapport au tableau taille. En fait, vous pouvez, ça veut dire que vous faites 97 en tour de saillant, c'est ça que tu m'as dit, et du coup, forcément, le premier qui arrive au 105, c'est du 102. Alors, quand c'est comme ça, déjà, il faut voir si le 105A est cohérent ou pas sur vous, par rapport à votre poitrine. Vous allez être à du 102, vous serez peut-être un tout petit peu au-dessus. Mais à ce moment-là, vous prenez une taille jumelée. Et peut-être que le 100B peut être intéressant pour vous. Voilà, je partirai là-dessus. Mais je ne connais pas votre poitrine, donc il faut voir si c'est cohérent avec ça. Est-ce que je regarde si on a de nouvelles questions pendant que je me suis déshabillée? Sinon, je te propose qu'on conclue un peu le XXe siècle. Oui. Le XXe siècle, avant que tout le monde dorme, hein, quand même. On en était où dans le XXe siècle? Et non. Séverine qui est toujours là. Et... Séverine, si t'en as assez de nous, tu raccroches. Hein, on se vexera pas. Hein. Non, mais moi, il était 22h05. Ah bah oui, ça va aller tôt chez toi. C'est vrai qu'on a en duplex avec l'autre. Alors, je reprends mes petites notes parce que je vous avais laissé, oui. Donc, je vous avais laissé avec notre ami Dior, avec un retour en arrière et tout, mais les années 60, ce sont les années de ceux qu'on appelle aujourd'hui les boomers, mais qui, à l'époque, étaient jeunes et fous et qui voulaient se débarrasser du carcan de leurs parents. Et donc, on va curieusement avoir presque le même mouvement qui s'effectue dans les débuts des années 60 qu'après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on retrouve avec Twiggy, etc., cette structure tubulaire et que c'est le moment où on se dit bah, le soutien-gorge, finalement, c'est presque comme le corset, on n'en a pas trop envie. Ou en tout cas, des soutiens-gorge bandeaux apparaissent. Il y a aussi une vraie... il y a de vraies innovations technologiques et donc petit à petit, on n'est pas encore au sans couture, mais en tout cas, on essaye de rendre le soutien-gorge plus léger, plus près du corps, moins corseté, entre guillemets. Mm-hmm. Et donc, on va avoir un corps très plat, très androgyne. Si vous voulez imaginer des... Il y a bien sûr Twiggy dont on a parlé, mais regardez À bout de souffle, par exemple. Dans À bout de souffle, on a Jean Seberg, qui est déjà une beauté très androgyne. Moi, j'aime beaucoup, mais qui dit
qui dit à Jean-Paul Belmondo, qui lui dit, mais il lui dit dans la rue, je me crois que c'est quand il descend les Champs-Élysées, mais il lui dit, mais pourquoi tu portes pas de soutien-gorge ? Lui, il est séduit par cette espèce de femme qui ose ne pas mettre à petite poitrine, qui ose ne pas mettre un soutien-gorge. Donc, vous voyez cette scène, elle est très drôle, et elle lui dit, bah, j'en porte pas si je veux. C'est une phrase qu'on pourrait entendre maintenant, ce qui veut dire aussi qu'entre les années 60 et les années 2020, il y a eu des allers-retours sur le rôle du soutien-gorge. Donc là, la lingerie s'adapte, la lingerie veut se faire oublier, et là, le soutien-gorge est pris pour cible, comme le corset l'avait été avant lui, par les féministes. Alors, juste, voilà, petit point, il n'y a pas de soutien-gorge qui ont été brûlés, ou alors peut-être un ou deux, mais c'est un mythe. En revanche, effectivement, ils ont été brandis, ils ont été mis à la poubelle dans les années 60-70, parce qu'il était vu comme les femmes, je vous rappelle qu'on sort du soutien-gorge au but, comme quelque chose qui les érotisait, qui les réifiait, qui en faisait des femmes-objets, et donc dont il fallait pouvoir se libérer si on le souhaitait. On a d'ailleurs des scènes documentaires, enfin de prises en vidéo, hein, que vous pouvez retrouver sur Internet, où on voit les femmes jeter le soutien-gorge en disant une phrase, ah, je me libère de mon soutien-gorge, mais d'autres qui jettent du maquillage, d'autres qui jettent leurs talons. Enfin, on est vraiment dans l'idée qu'on jette les objets qui ont fait de nous, qui ont été choisis pour nous par les hommes. Après, on va peut-être nous les rechoisir, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc au niveau économique de la lingerie, 1968 est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a énormément de maisons qui ferment, beaucoup de petites entreprises. Tu disais tout à l'heure en parlant de ta grand-mère qu'il y avait ce côté, Jean-Paul Gaultier en parlera aussi, boudoir, auquel tu es très sensible d'ailleurs aussi, intime de la lingerie, et luxueux, c'est un objet de luxe. Complètement, et à la fois je pense qu'il fallait aussi un moment dépoussiérer tout ça, mais il y a beaucoup de marques de lingerie actuelles qui reviennent à ça, où la vitrine va être plus petite, on va percevoir un mannequin avec une lingerie, il y a plein de marques, dont des marques qui vont être des marques assez luxueuses en lingerie et qui ont ce côté aussi très bondage, donc on est aussi sur parfois une autre gamme de lingerie qui est encore un peu cachée, on va dire. Mais il y a ce truc un peu de boudoir, un peu de cache-cache, on rentre dans un endroit, on ne sait pas trop avec quoi on va ressortir, et à la fois on a aussi du soutien-gorge qu'on va acheter plus en masse, et on sort avec une poche transparente avec son soutien-gorge à l'intérieur. Voilà, mais c'est ça qui est bien dans notre... Enfin, moi je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on peut... On peut s'habiller comme on le souhaite, on a quand même cette chance-là, et c'est pareil au niveau de la lingerie... On peut la montrer comme on ne peut pas la montrer. Enfin voilà, on peut aller chercher sa lingerie dans un endroit très boudoir et alors pas du tout. Et on prône avec fierté d'avoir acheté un soutien-gorge rouge. Enfin voilà, je veux dire, je me suis allée un peu loin dans mon explication, mais c'était ça l'idée. Mais on a bien compris l'idée. Et c'est vrai que dans les années 70, bah, beaucoup de petits boudoirs ferment, parce qu'elles ne peuvent plus pas tenir le choc du rejet du soutien-gorge. Mais en revanche, on a le processus inverse, c'est-à-dire que ça s'industrialise, qu'on retrouve le soutien-gorge chez Leclerc, chez Auchan, qui apparaissent à ce moment-là. Hein. Mais on perd un peu l'esthétique du soutien-gorge et ce côté précieux, qui va revenir un peu dans les années 80, évidemment avec Chantal Thomas, qui veut réinvestir cette pièce, qui veut la rendre jolie et pas simplement fonctionnelle. Parce que c'est vrai qu'on était arrivé à un soutien-gorge fonctionnel. On avait perdu le côté esthétique, auquel tu es évidemment très sensible. Et elle va dire, bah, je vais prendre du lycra, mais je vais prendre de la soie, et je vais associer les choses, et je vais prendre des codes du prêt-à-porter pour les amener sur le soutien-gorge. Et inversement, c'est vrai que le prêt-à-porter et la lingerie vont se répondre, c'est ce que va faire Gaultier aussi, évidemment. De plus en plus. Et je crois que ouais, c'est ça. Pour avoir été jury la dernière fois d'une école de mode et en lingerie, il y a un tournant qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'actuellement, on est en train de former des stylistes qui sont lingerie et qui sont prêt-à-porter. C'est-à-dire, c'est comment amener la lingerie dans le prêt-à-porter
pour avoir une lingerie de tous les jours, mais dans un vêtement prêt à porter. Enfin voilà, on est vraiment sur une autre façon de vouloir amener de l'armature, de la lingerie, et je trouve ça hyper intéressant. Ça crée aussi des nouveaux stylistes qui sont dans une autre façon, une autre dynamique. On n'est pas sur de la lingerie pure, on n'est pas sur le prêt à porter pur, on n'est pas sur de la maille, on est sur un mélange en fait de tout ça ensemble pour pouvoir créer une nouvelle garde-robe qu'on voit de plus en plus. Enfin, les derniers défilés là qui se sont passés à Paris, il y a certains mois qu'on a compris que la lingerie revenait en force. Oui, la lingerie va très bien. et donc c'est vraiment Chantal Thomas, elle le dit, 1980, elle veut un soutien-gorge pour aller au Palace. Vous savez, le Palace c'était la grande boîte de nuit où Kenzo et Chantal Thomas et tous les autres allaient beaucoup à ce moment-là. Et donc la lingerie se montre, le corps est triomphant et le corps est aussi contraint, parce que c'est le moment de, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment où le body arrive, où on est dans l'optique d'une femme à la fois puissante, mais sexualisée. Mm. Ça, c'est vraiment les années 80. Elle prend en main sa sexualité, c'est-à-dire qu'elle est femme dominante, mais elle est quand même très... Voilà, elle est à la fois, on est dans ce qu'on appelle le power dressing, et la lingerie en fait complètement partie. Et à la fois, on se crée un corset mental, on se crée des contraintes de chirurgie esthétique, des contraintes de régime, des contraintes de gym, des contraintes de... pour être dans la démonstration de la puissance. Et en fait, au départ, la puissance, elle était chez les hommes. Et là, on s'en empare, mais du coup, avec un corset mental qui est très important. Et ça, c'est les années 80 essentiellement. 90, rappelons-nous, Chantal Thomas, qui finalement est si féministe, elle crée une polémique importante à la fin des années 90-2000, parce qu'elle met des femmes en lingerie dans une vitrine aux Galeries Lafayette. Ça fera une polémique pas possible. Elle dit en rigolant qu'aujourd'hui, c'est la mise sur le devant de la scène. Mais voilà, il y a toute cette question sur l'hypersexualisation qui est toujours liée à la lingerie, parce que le soutien-gorge reste un instrument d'érotisation du corps de la femme, et à la rigueur, pourquoi pas, si elle le décide. Mais désormais, le sein qui est érotique, c'est le sein rond, c'est plus le sein pointu, c'est le sein appétissant, c'est le sein préformé dans des coques. Et voilà, et puis il y a ce Covid qui arrive, ce basculement dont on a déjà parlé en début de masterclass. C'est un basculement, oui et non, c'est un basculement dans le sens où on ose de nouveau enlever le soutien-gorge comme on l'a fait dans les années 68, mais et effectivement je pense que c'est encore un geste assez fort, le sans-soutif, le no-bra, parce que ça peut toujours créer des remarques, on peut se l'interdire pour X ou Y raison. Néanmoins, je pense que c'est, et je crois que c'est ton avis aussi, loin d'être la mort du soutien-gorge. Il y a 4 millions de soutiens-gorge qui sont produits par jour dans le monde, donc ça va très bien pour la lingerie. C'est pas du tout donc quelque chose en décroissance comme on l'entend beaucoup, mais c'est ce que tu disais, il y a aujourd'hui une réponse entre le prêt-à-porter et la lingerie. Le soutien-gorge n'est plus un instrument de libération, encore que, mais il n'est plus vu comme contraignant ou érotisant. On peut créer des soutiens-gorge confortables, et en fait il fait partie du prêt-à-porter aujourd'hui. Complètement. Alors effectivement, il y a beaucoup de soutiens-gorge qui sont vendus. Après, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de marques de lingerie qui souffrent de tout ce qui se passe actuellement, mais aussi parce que beaucoup de maisons de prêt-à-porter qui ne faisaient pas de lingerie commencent à faire de la lingerie. Donc de la lingerie aussi parfois moins chère, plus abordable pour une certaine clientèle. Et du coup, c'est sûr que les gens qui sont spécialisés dans la lingerie, parfois, ça peut leur faire du mal. Mais malheureusement, c'est l'évolution de chaque marque. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et en fait, ce qu'on voit, et si on va on approfondit dans le produit en lui-même, il y a eu aussi des effets de mode et des changements dans le soutien-gorge en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a eu les années... j'ai pas envie de me tromper, mais les années 2000, on va dire 2010, voilà, plutôt là, ces années, 2005, 2010, on va avoir le push-up, on va avoir le soutien-gorge qui va être rembourré, on va avoir beaucoup de mousse. Ouais. On voyait ces soutiens-gorge en mousse. Et limite, on voyait le creux.
Enfin, on a vraiment la différence entre le sein et le soutien-gorge. Oui, j'avoue, c'est une esthétique très bizarre. C'est voilà. Les 2000, c'est mais pas si loin. C'est pas si loin. Et là, on revient, on a eu le sans armature, on a eu le triangle qui est revenu en force. Alors, c'était un modèle qui était énormément parti. On a eu beaucoup de brassières pour des fortes poitrines, sans armature. Et là, on revient, on a eu beaucoup de coquets pendant des années, de la coque. On a été habitués, nous, en tant que consommatrices, et en acheter ou en voir, c'est-à-dire de voir de la coque pour cacher, effacer aussi peut-être le téton qu'on ne voit pas du coup. La mousse efface donne vraiment une rondeur parfaite au sein. Et on revient de plus en plus à la transparence, à du sans coque, du sans, sans le petit coussinet pour le push-up, mais toujours avec une armature push-up, mais sans forcément la mousse, etc. Voilà, on revient à un sein plus naturel, si je puisse dire, c'est un peu bizarre, mais moins avec de l'artifice. Alors après, attention, quand on a une petite poitrine, la mousse, le push-up, pour nous, c'est important. Moi, je porte énormément de push-up parce qu'il y a quelque chose que j'envie chez d'autres femmes, c'est de regarder d'en haut et de voir un joli V, quelque chose que je n'ai pas. Donc, on va venir le chercher autrement. Mais alors que moi, ça m'ennuie, j'ai l'impression que je peux mettre une carte de... Bah, je range des trucs dans mes seins parfois parce que je ne sais pas où les mettre, c'est vrai en plus. Je ne faites pas ça, vous. Enfin, Pauline, je pense que ça a dû lui arriver aussi. Ouais. Je sais que j'avais des copines en boîte, elles mettaient leur portable dans leur sein. Hey, mais oui, mais moi, ce n'est pas possible, ça. Le portable, il part, sinon, il ne tient pas. Donc, voilà. Donc, en fait, en fonction aussi des complexes, des poitrines qu'on a, on cherche une certaine esthétique. Donc, on va se diriger vers un modèle plus ou moins adapté aussi à ce que l'on souhaite. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a aussi une évolution dans le soutien-gorge et je trouve que maintenant, en tout cas dans la lingerie, on trouve de tout. On commence à trouver de tout. Alors oui, je suis d'accord pour dire que ça manque de taille, mais juste, je ne veux pas taper sur les doigts des marques parce que plus de taille, ça veut dire vraiment énormément de changements. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des marques maintenant différente pour... Exactement, enfin, dire, pour un secteur, pour des tailles. Comme Isée, elle va dire, voilà, moi je fais pour de la petite poitrine. Exactement. Et elle va réfléchir toute son esthétique pour ça, et c'est très bien, et qu'il y ait des marques pour les fortes poitrines. Exactement. Parce qu'elles vont être spécialistes, et elles vont pouvoir vous proposer plein de choses différentes, bien mieux que si elles voulaient tout faire. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Et c'est exactement ça. Donc, il y a des marques qui sont vraiment plus spécialisées. Et maintenant, il y a des nouvelles marques qui arrivent avec, pour des poitrines asymétriques. Donc, un bonnet d'un côté et un autre bonnet de l'autre. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Ça arrive. Et en fait, il faut. Ou alors, pour des filles qui font des double A, donc qui n'ont vraiment pas de poitrine et qui ont envie de porter de l'armature, comment elles font? Enfin voilà, donc il ne faut pas se dire qu'une grande marque, elle ne va pas faire toutes les tailles, mais c'est parce que c'est un coût qui est énorme, rien qu'en termes d'armature, en sachant que quand on passe une certaine taille d'armature, on demande d'avoir un fil particulier à l'intérieur de l'armature qui va le rendre encore plus solide. Vous voyez bien que ça a été un vrai challenge, déjà du 75A au 110G, d'avoir le même modèle, en se disant que le 110G était le max. Parce qu'après, on est obligé de partir sur d'autres modèles, sur d'autres types d'élastiques, d'autres types d'armatures. Donc, vous voyez, c'est vraiment... on ne peut pas juste faire un point A, un point Z avec la même chose. C'est impossible. Donc là, ça a été un vrai challenge. Je trouve qu'on a bien réussi. J'espère en tout cas qu'il y ait une tarte d'avoir vos retours, d'avoir tous vos retours, de vous voir avec de l'éternel, l'éternel sur vous. On veut vous voir porter ce soutien-gorge. Complètement. Vous pouvez aussi nous le photographier à plat, mais c'est encore plus chouette. Des petites photos en message privé, voilà, il y a avec grand vous plaisir. Comme vous vous sentez à l'aise, mais c'est en ça. Tout cas, on a envie de voir. Mais vraiment, chaque marque fait aussi ce qu'il peut, parce que c'est vraiment pas simple, l'armature. Et ça demande beaucoup de temps de développement pour un seul produit. Donc imaginez quand il y a plein de tailles, c'est vraiment un gros bazar. Et puis, je me suis dit qu'on avait oublié quelque chose, mais je ne sais plus quoi. À moi que j'avais oublié de vous montrer, comme d'habitude, Madonna, truc, mais quand même, Jean-Paul Gaultier. Voilà, Jean-Paul Gaultier qui a ramené la lingerie, même en pré-tape. On était sur du pointu. Là, on est sur du pointu. On est sur ce corset cher de sa grand-mère qu'il appelait Mémé Garabet, je crois. Il dit, moi, j'étais bien avec ma grand-mère dans son boudoir quand elle essayait ses...
ses corsets. Donc il s'est dit, tiens, si je mettais le corset de ma grand-mère sur Madonna, en gros. Hein. Bah, avec un petit legging, et puis c'est bon. Et alors, elle, à ton avis, pourquoi je l'ai mis? Alors, elle, c'est Kim Kardashian. Oui. Pour moi, ce qui est assez frappant, c'est juste pour dire qu'on a vu énormément que la lingerie avait répondu aux attentes sur le corps de la femme. Kim Kardashian, elle propose une nouvelle forme d'esthétique qu'on a déjà vue il y a un siècle ou deux. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'on s'interroge un peu sur elle. Elle a une marque de lingerie, d'ailleurs. Elle a une marque de lingerie, c'est pour ça. Des fesses très importantes, enfin très, très musclées et tournées vers l'arrière. Une poitrine... Enfin, on voit le S se dessiner à nouveau. Alors, sans corset, mais avec une marque de lingerie. Donc, je trouvais que c'était une façon de boucler la boucle. Qui aurait cru que Kim Kardashian aurait finalement la même silhouette en S que la silhouette corsetée de la fin du 19e siècle, avant toute cette libération? C'était un peu l'idée de la conclusion. Mais nous, ce n'est pas trop ce qu'on vous propose. Ce qu'on vous propose, c'est de vous faire plaisir, d'être bien dans votre corps, en S, en H, en A, en Y, en X, on s'en fiche, de vous sentir bien. C'était l'idée de l'éternel, c'était l'idée esthétique de ce cercle. Ah oui, Pauline nous dit qu'elle a l'impression que vous avez peur de vous lancer. Qu'est-ce qui vous fait peur? Si c'est la technique, c'est c'est le modèle en lui-même, c'est l'armature. Parce que... Ouais, vraiment, si vous mesurez correctement votre taille, comme tout à l'heure l'a fait Charlotte, vous allez choisir la bonne taille. Ça, je ne m'inquiète pas là-dessus. Et vous savez que si la taille ne va pas, vous pouvez totalement contacter Artisane pour pouvoir échanger, s'il y a besoin, l'armature. Mais en soi, je pense que si vous prenez bien votre taille, vous allez vite trouver votre taille sans problème, à mon avis. Et en termes de technique, on est sur quelque chose qui n'est pas compliqué. C'est plus plein de petites étapes à bien respecter. Mais vous avez 5 heures de cours avec moi pour ça. Je vais juste raconter une anecdote, parce que comme je sens qu'il y a vraiment une angoisse sur les tailles d'armature, déjà, évidemment, vous pouvez nous envoyer l'armature si elle ne correspond pas. Mais donc moi, quand on a fait mon soutien-gorge, c'est Océane qui me l'a cousu. Il faut savoir que pour repérer la taille d'armature, en fait, c'est juste un tout petit point de couleur comme ça. Et moi, on avait hésité. Je crois qu'on a fait un prototype dans une taille et puis un autre dans une autre taille. Je ne sais plus, 90-95. Et donc, il y avait les deux armatures posées sur la table. Et au début, on s'est planté quand on les a mis dans le protège-armature. On a mis le soutien-gorge sur moi et on s'est quand même dit, disons que c'est vachement bien. Et Charlotte a regardé un peu avec son œil technique et elle a dit, mais t'es sûre? Il me semble qu'il y a un petit truc. Et là, on s'est dit, ah oui, en fait, ce n'était pas la bonne armature. Mais c'est tellement millimétrique. Donc c'est important parce que ça change un peu la structure du soutien-gorge, etc. Et qu'effectivement, aux portées long terme, on sent vraiment la différence quand on bouge. Mais sachez que ne soyez pas terrorisés de vous tromper d'armature. Déjà, ça ne va pas complètement changer. Au moment où vous allez coudre le soutien-gorge sur vous, ça va pas être dramatique. Et non. En fait, on vous renverra la bonne armature et vous allez pouvoir vous adapter assez facilement. En fait. C'est très facile d'adapter le... T'as bien porté les micros, pardon. C'est très facile d'adapter. En fait, il faut commencer. Il faut faire un premier proto. Et une fois que vous allez faire votre premier proto, vous allez y voir plus clair. Et vous allez vous dire, ah oui, je me suis fait une montagne pour ça. Alors qu'en fait, il n'y a rien de compliqué. Et après, c'est de l'ajustement, s'il y a besoin d'ajustement. Si ça se trouve, il n'y en aura même pas besoin et que ça sera pile du premier coup, ça sera bon. Et honnêtement... pour avoir fait un atelier avec Charlotte, j'avais été étonnée, c'est pas pour te dénigrer Charlotte, hein. J'avais été étonnée de la facilité, enfin, je veux dire, c'est pas complexe, il faut prendre les choses dans l'ordre, mais si vous êtes couturière... Ah mais il n'y a rien de compliqué. Vous allez y arriver, vraiment. Enfin, puis bon, vous êtes accompagnée, il y a 5 heures de cours. Si vous avez le moins de doutes, en plus Charlotte, je la connais, elle est là sur son téléphone à vous répondre dès que vous envoyez un MP. On est pareil, Francesca qui ne coupe pas et qui est au SAV. Et qui est sur Facebook, elle est trop, on l'embrasse Francesca.
et qui se prépare à recevoir vos questions. Elle ne coupe pas non plus, mais tout le monde, je crois qu'elle va se mettre à la couture parce que là, elle est vraiment devenue experte. Pauline, qui ne coupe pas, connaît maintenant la moindre... Experte en armature, Pauline, maintenant. Oui, et voilà. Et moi qui coupe, je peux vous dire qu'en revanche, et qui ne coupe pas de la lingerie d'habitude, je ne suis pas une couturière de lingerie, je suis plutôt sur du chaîne et trame classique et tout. Je m'en suis sortie. C'est vrai, maintenant, elle enseigne la couture. Mais c'était son premier soutien-gorge. Mais c'était son premier soutien-gorge avec armature. En fait, il faut savoir que toutes les muses, à part Clotilde, c'était leur premier soutien-gorge avec armature. Voilà. Je crois que Claire n'a même pas fait de proto. Je suis pas sûre que Claire ait fait un proto sur la dernière version. J'ai un petit doute. Ah, on t'entend pas, Séverine. Pardon. Non, c'est bon, c'est nous. C'est bon, on t'entend. Ok. Je sais plus pour Claire. Elle en avait fait au début. Et pour la dernière version, je sais plus. C'est lancé direct dans la taille en se disant c'est bon, ça ira, et en fait ça a fonctionné puisque, ouais. En fait, pourquoi ça a fonctionné? Parce que la gradation, elle est proportionnelle à l'armature avec le décalage d'armature, et il faut se le dire, les premiers tests ont été plus compliqués parce que la gradation ne suivait pas bien l'armature. Donc voilà, donc il y a tout un calage entre les deux, et c'est le fait qu'il y ait vraiment les deux qui fonctionnent et qui avancent ensemble qu'à la fin on a un soutien-gorge à la bonne taille. Donc à mon avis, je peux vous dire que sur ce soutien-gorge-là, il n'y aura pas de problème de taille, à mon avis. Voilà. C'est vraiment le modèle d'elle. Il y a les yeux fermés, vraiment. Et alors, vous nous répondez à notre question « qu'est-ce qui vous fait peur ?» et vous nous dites « alors ?» Moi, la recherche des matières pour faire et refaire, c'est très compliqué. Je te dis toutes les peurs. Critel 100, moi, c'est la précision qui me fait peur. Et Odile dit, c'est les matières. S'il y avait un premier coffret moins cher avec des matières prototypes, j'achète. Alors, on sourit parce qu'on s'est beaucoup posé la question. Mais ça a un coût. En fait, il faut savoir qu'on ne peut pas... comment dire ? On pourrait faire un coffret, alors pas avec ces matières-là, on pourrait essayer de faire un coffret moins cher, mais en fait, on serait limite en perte, parce que les matières, elles ont, pour avoir quelque chose qui tienne et quand même qui soit, c'est pas une question d'esthétique, c'est une question d'avoir une bonne matière pour avoir un bon maintien sur le soutien-gorge, ça a un coût au niveau du tube brodé, de la résille. Et donc, en fait, on vous proposerait un coffret où nous, on serait en perte, ce qui n'est pas légal en soi, on ne peut pas vendre un produit en perte, c'est compliqué. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, voilà, on reste des sociétés. Quand même, le but, c'est quand même de pouvoir vivre et de proposer à chaque fois des nouveautés. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est comme je disais au tout début de masterclass, c'est quand vous avez une box, vous avez les bases pour moi. Vous avez toutes les bases pour... continuer par la suite. Vous avez le bon tube brodé, la bonne résille. Après, il faut bien garder ces éléments-là, aller en magasin ou aller sur des sites internet parce que vous avez l'habitude et vous allez commander. Oui, peut-être que parfois vous allez vous tromper et c'est pas grave parce qu'on fait tout ça en disant la dernière fois j'ai acheté un tube bloqué. Pour moi personnellement, je me suis plantée, il était stretch. Voilà, c'était pas indiqué, c'est pas grave, il m'en servira à autre chose. Voilà, alors en soi, c'est la lingerie, parfois c'est pas vraiment indiqué en fonction des sites ou si on va pas en boutique, tout ça, donc faut bien regarder, faut toucher quand on le peut, et après quand on a confiance en une marque, sinon on achète directement chez la marque. Mais en soi, vraiment les filles, on a fait le modèle le plus simple qu'on puisse faire sur un soutien-gorge avec armature du 75A au 110G. Vous avez que trois matières, un tube brodé ou une dentelle, une résist stretch et un tulle bloqué. Le tube bloqué, ça peut être un petit tulle que vous allez vous en servir aussi pour du mariage, vous savez, des tulles très fins, ou de la marquisette qu'on retrouve maintenant très facilement. La matière lingerie, les fournitures lingerie quand même arrivent de plus en plus sur le marché, on en trouve de plus en plus. On a un très bon site pour ça, charlottejobert.fr. Voilà, et sinon vous avez aussi des coffrets matières que moi je peux proposer, ou parfois vous avez en fait tous les éléments, alors peut-être pas dans le même coffret, mais
en fait, à force, je sais qu'il y en a qui entassent et qui ont, en fait, dans différents éléments, différents coffrets, elles ont pu créer un Artémis, un Aphrodite ou autre chose. Mais moi, là, n'ayez pas cette peur-là, parce que je pense que toutes les matières, en tout cas, que vous avez là, et les largeurs d'élastique, c'est des choses que vous allez sûrement pouvoir retrouver quand même plus facilement qu'avant. Voilà, donc ça, c'est pas... Je m'inquiète pas dessus. L'armature, vous savez que vous pouvez la trouver sur Artesan. Ça, c'est simple. Anneaux et régleurs, ça se retrouve très facilement. Les bretelles aussi. Les élastiques, de plus en plus de merceries en proposent également. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir la base. Ça, c'est important d'avoir cette base-là pour vous. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à vous référer, en fait, à votre base. Intervention de Pauline. En service client. Vous avez bien sûr la liste du matériel qui est détaillée, oui, dans le PDF du cours. Donc, par exemple, si vous interrogez sur la largeur des bretelles, la longueur, etc., ce qui vous manque, c'est indiqué dans le PDF du cours. Et ça, vous pouvez du coup aller en mercerie très facilement, retrouver les bonnes bretelles, les bons anneaux régleurs, etc. Et je passe énormément de temps à en parler dans le cours. On fait un énorme point matière, fourniture dans le cours. Et largeur. Après, ce que je voulais dire aussi pour rassurer par rapport au prototype, c'est qu'effectivement, nous, on a fait des prototypes parce que Messin... J'étais une des deux paires gros seins pour le développement du produit, donc sûrement on a calé le patron tout simplement et la gradation du patron. Donc moi, il y a eu des prototypes sur mes seins que je n'ai pas cousu, merci Océane. Mais sur ici là, je peux vous dire qu'en fait il y a très peu, il y en a quasiment pas eu des prototypes parce qu'on n'a pas eu le temps. Pour tout vous dire, on a calé le patron tellement tard, tellement on a fait de développement, etc., que je sais pas si Séverine est encore là. Mais je leur ai envoyé en catastrophe les matières pour coudre, je crois, littéralement 7 jours avant le shooting. Ouais. Voilà. Alors, il n'y a pas eu de prototype. En fait, il y a eu des prototypes en interne pour mettre au point le modèle. Ça, il y en a eu énormément, parce que c'est la gradation qui a demandé beaucoup de mise au point. Donc, il y a eu une première gradation, il y a eu une autre gradation, il y a eu des modifications. Donc, les testeuses ont pu avoir les différentes versions. Mais la dernière version définitive, il n'y a eu aucun prototype. Tout le monde a cousu directement dans sa taille. Son soutien-gorge, c'est le premier qu'elle a eu. Ouais. Et pourtant, je n'ai pas une poitrine facile, on va dire. Non. Clairement pas. Et surtout, si vous avez déjà cousu autre chose avec Charlotte, il y a fort à parier que vous savez... si vous choisissez la taille, vous n'allez pas être surprise. Ouais. Après, j'adore ce conseil de Marie et ça me rappelle pourquoi je voulais rester à moitié nue tout à l'heure. Elle dit, allez sur le site. Si vous n'êtes jamais lancé dans la lingerie, vous pouvez débuter par le cours Octobre Rose. C'est vrai. On est quand même en octobre. On l'a développé pour les femmes qui ont subi ou qui subissent actuellement un cancer du sein, mais il va aussi aux autres femmes. Et j'ai vu poser beaucoup de personnes avec un proche. Et elles avaient un proche atteint. Et elles avaient toutes les deux le même soutien-gorge, juste. Donc, le cours est gratuit et ça peut être un moyen déjà pour vous d'aborder la logique de la lingerie. Donc, merci Marie d'y avoir pensé, c'est un super truc. Et donc, juste avant qu'on conclue et tout, on est quand même en octobre, on le fait quand même chaque année. Donc, je me déshabille pour la dernière fois de la soirée. Vous n'allez pas penser que j'aime ça, mais en revanche, là... c'est important. C'est important. Est-ce qu'on voit bien, Jérôme, je vais juste refaire le geste qu'on vous montre chaque année. J'espère que je ne suis pas... Donc, se palper les seins, je suis en soutif, donc c'est quelque chose qu'on fait sans soutif normalement. On le fait de façon verticale et pas allongée. On le fait une fois par mois et pas seulement en octobre. Oui, donc je vous disais, se palper les seins pour voir s'il n'y a pas de grosseur. On le fait une fois par mois après les règles. On lève les bras, on est debout ou assise, mais pas couché. Et donc, on passe comme ça. D'abord, on fait le tour. On revient là. On bien en haut aussi au niveau de la gorge, parce qu'il peut y avoir des boules assez haut. Aussi sous l'aisselle. On remonte jusque là. Et on passe aussi au milieu, au niveau du téton. Et en dessous, alors je vais me lever,
Voilà. Et là, vous êtes bien et vous faites ça sur les deux seins. Voilà. Et tous les mois. Et je peux me re-rhabiller. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Est-ce qu'on a à dire? Si, moi, je veux dire un truc. Oui. Je milite tellement. Non, je voulais juste dire qu'en fait, pourquoi on a mis autant de temps à caler le patron? On a fait énormément d'évolutions, etc. Parce que c'était compliqué, c'était difficile, mais c'est ce qui fait aussi que le patron, il est hyper quali et qu'il n'y a pas eu besoin de prototypes sur la Complètement. Poitrine qui sont là. En fait, complètement. On est arrivé à un truc où normalement, vous prenez bien vos mesures, vous avez un soutien-gorge qui vous va derrière. Donc, ne lancez-vous. Ne paniquez pas, les filles, vraiment. C'est vrai que nous, on vous a tellement dit de faire attention que je pense que ça vous fait peur, mais c'est parce qu'on est... Parce que moi, je suis une névrosée des prototypes, en fait. Donc, elles en ont marre, les filles, que je leur dis, je suis en train de leur dire, vous faites des protos. Parce que voilà, en plus, j'adore faire des protos, donc je pense que c'est un peu mon problème. Mais, Vous, tu les portes, tes protos, en fait. Mais même pas, en plus, ils sont dans des caisses. Les protos, mais alors vraiment des protos pas beaux, hein, mélange de tissus, tu peux avoir de la résille verte avec un truc prune, enfin bon, je fais des mélanges, mais en fait c'est toujours intéressant de comprendre déjà, c'est juste que pour vous, vous serez plus à l'aise de faire déjà un premier modèle, validé, vous dites ok c'est bon, je peux passer dans les bonnes matières, je suis plus cool, j'ai compris le montage, c'est simple, j'y vais, voilà. Se familiariser avec les nouvelles techniques pour qu'ensuite, lorsqu'on passe au produit fini... j'aime pas dire produit. Ensuite, désolée, je déteins sur toi. Quand on passe à notre pièce finale, à la photo finale, et voilà, que ce soit parfait. Totalement. Et comme dit Marie, j'ai pas de stock, enfin... Pas de stock hors des placards, quoi. Il y a bien des stocks, en fait. Si on achète uniquement le cours, comment peut-on connaître le taux d'élasticité recommandé pour ce modèle? Alors, le taux d'élasticité, donc vous pouvez regarder d'abord la masterclass Revenir en début. Et alors, je crois qu'il y a eu toutes les masterclass que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ah oui, mais où on parle d'élasticité. Pour ce modèle-là. Alors oui, ben ça c'est une très très bonne question. On pourra le mettre dans le cours. On va vous le mettre dans le support de cours. Voilà. Ça, vous pourrez retrouver les matières. Toi, sur ton site, tu précises le taux d'élasticité? Alors non, je ne précise pas à chaque fois parce que parfois il y a beaucoup de produits, beaucoup de dentelles, beaucoup de matières. Mais j'essaie de respecter toujours à peu près le même taux d'élasticité. Après, en général, quand les filles elles arrivent sur mon site, hors coffret, c'est qu'elles savent déjà un peu ce qu'elles veulent faire et qu'elles comprennent que telle dentelle va aller avec tel modèle, telle dentelle c'est pour tel modèle. Donc voilà, on est plus sur des habitués de la lingerie. À part sur les coffrets où elles me font entièrement confiance. Bon, Charlotte, je ne sais pas si tu sais l'heure qu'il est. Oh, non, je viens de voir sur ton téléphone. Heureusement qu'on avait dit pas tard. Non, je ne sais pas si on va arriver à tenir 2 heures. Les gens ne nous connaissent pas toutes les deux à force. Non, mais c'est toi qui ne te connais pas. Là. bon, bah écoutez, en tout cas, on a été très heureuse de passer cette soirée avec vous. Ah si, avec toi, pardon. Si... Oui. Pardon, est-ce que je peux faire un... Juste, j'explique tout ce qu'il y a dans le coffret. Oui, bah, oui, oui, oui. Pauline est désespérée, on est les pires vendeuses. Mais non, vous êtes encore là. Dites-nous que vous êtes encore là. Donc, vous avez un petit livret tout beau que Marie-Gabrielle a réalisé avec dedans la mercerie, les fournitures, pardon, les matières. Vous avez le rôle tableau de taille, vous avez du plan de coupe et vous avez tout ça également. Je redis tout ça, bien sûr, dans le cours. Vous avez... Alors, vous inquiétez pas. Hein, vous avez, bien sûr, les planches, toute la planche A0 au niveau du patron, du bonnet A au bonnet G. Vous avez donc votre fameux tulle brodé. Qui est absolument magnifique, je dois dire. Ah, il est dingue. Alors, c'est un tulle brodé français, je tiens à le préciser, avec une très bonne élasticité pour un tulle brodé. Il est très moderne. Voilà, il est extrêmement moderne. On a eu un réel coup de cœur, en fait, sur ce tulle. Nous avons la Resi Stretch, qui a tout l'intérieur en fait de votre soutien-gorge. Vous avez le tulle pour bloquer donc au niveau de vos séparateurs et sur les grandes tailles vous avez un morceau qui va être un peu plus important parce que vous avez les demi-lunes à caser. Le petit jersey, le fond de culotte pour votre petite culotte, votre petite microfibre pour votre culotte, soit en simple, soit avec empiècement.
Et vous avez toute la partie mercerie. Donc, que ça soit élastique, culotte, bretelles qui sont travaillées sur le dessus, tout en velours. Vous avez là l'élastique en manchure et sous poitrine pour la petite taille, et vous avez un élastique qui est différent pour les grandes tailles sur du sous poitrine. Vous avez un petit élastique fin et un autre élastique en fonction de votre bonnet. Et vous avez le protège-armature également. Ce protège-armature, il faut savoir que c'est un protège-armature qui est en microfibre, qui est fin, qui est très agréable au porter, c'est-à-dire qu'on ne le sent pas. Souvent, on trouve du protège-armature qui va être un peu plus épais, un peu mousseux. Là, on est sur quelque chose de très plat, très fin. On ne risque pas d'avoir l'armature qui transperce le protège-armature. Voilà, ça c'est mon petit chouchou, on l'a, c'est une production parce que c'est très dur à en trouver en second circuit, mais il est vraiment canon. Voilà. Entreprise française qui fait ça. Et à l'intérieur, là bien sûr, vous avez les régleurs et l'attache soutien-gorge qui fait 38 mm, qu'on a gardé en 38 mm pour le soutien-gorge avec armature grande taille parce que vous avez le dos cheminée qui absorbe un peu toute la tension. Donc, on peut totalement garder un 38 mm. Voilà, j'ai tout dit. Et oui, ce soutien-gorge a un coût. Mon mari m'appelle, il doit se dire qu'est-ce qu'elle fait encore. Ce soutien-gorge a un coût, mais après tout, si on garde dans le commerce les soutiens-gorge de qualité, j'estime qu'on est... Alors, prix par rapport à la qualité des matières et... Complètement, je pense que, alors même pour vous dire, le prix n'est pas assez cher. Voilà, ouais. Je vous le dis, il n'est pas au prix. Ouais. Parce que si on avait dû le mettre réellement au prix par rapport à ce que vous avez à l'intérieur, on est plutôt autour de 110, 120, clairement, il faut se le dire. Et hors cours. Hors cours. Voilà. Donc, pour vous dire l'effort qu'on fait, mais on avait envie. Voilà. Que tout le monde puisse pouvoir, enfin, pouvoir. Le plus accessible possible. Voilà, exactement. Le plus accessible possible. Merci, Séverine. C'est vraiment, on est vraiment sur des très belles matières qui sont de très belles entreprises françaises et européennes, donc en second circuit et en production. Et je pense que de nos jours, un soutien-gorge, un ensemble. Dans une très bonne marque, oui, il y a les culottes, une très bonne marque de lingerie. On est plutôt autour de 170 euros pour un ensemble. On a fait une étude de marché, on a bien regardé aussi ce qui se faisait à côté. Donc voilà, sur du certes du fini, mais vous n'avez pas tout le savoir-faire qu'on vous donne aussi pendant ce cours-là. Donc voilà, il est à un prix en dessous de ce qu'il aurait dû être à la base. Oui, mais on avait envie que... Il y a une question, Pauline ? Marie qui dit, est-ce que le protège-armature ? Alors, en microfibre, plus difficile à trouver. Vous allez en trouver du protège-armature. Il est en microfibre. Voilà, il est vraiment en microfibre. J'ai un petit faible pour ce genre de protège-armature. Mais après, vous allez trouver du protège-armature plus classique un peu partout. On en fait de plus en plus. Mais celui-ci, il est canon. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, dedans, vous avez les armatures qui seront mises une par une en fonction de votre commande. Voilà. Et ça, c'est important. Souvent, on pense aussi, je me permets, après, je sais, il faut que j'arrête de parler, mais on pense souvent qu'un coffret, parfois, on dit c'est trop cher. Ou... En fait, il faut savoir que derrière, il y a toute une logistique. En plus, il y a des gens qui sont en train de créer les coffrets, il y a de la découpe. Tout ça a été fait en interne par l'équipe artisane. Et en plus de ça, dans chaque coffret, elles vont glisser... l'armature qui correspond à votre commande. Voilà. Parce qu'on respecte tous les sens. Parce qu'exactement. On s'adapte. Donc, voilà. Donc, voilà, on a un coffret, du coup, complet. On fait des bisous à Séverine, qui est derrière nous, qui veille sur nous. Gros bisous, ma belle. À très, très vite. Merci à vous. Et à bientôt à Paris. Ouais. Et si vous voulez prendre des cours, notamment de lingerie, à Londres, on te retrouve où, Séverine ? Alors moi, je suis dans le nord de Londres, un peu à Hampstead et dans le Attends, ça a coupé pile poil au moment où tu donnais le nom. Pardon.
Donc, l'atelier NW3. Mais voilà, voilà. Toutes les informations sur Instagram et sur l'atelier NW3. Merci Séverine, on t'embrasse très très fort. Merci d'être patiemment resté à nous écouter, raconter, je ne sais pas trop quoi. On t'embrasse très fort. À très bientôt. À très vite. Et merci à vous qui êtes restés si nombreux jusqu'à 23h47. Et merci à Pauline qui a été là. Enfin, je crois que ce coffret, elle a tout donné aussi, toute son énergie, qu'elle est très stressée sur l'envoi des commandes. Ça va bien se passer, Pauline. Et merci évidemment à Elisa et Jérôme qui sont encore en vie à 23h47 et qui ont filmé des paires de seins sans sourciller avec professionnalisme toute la soirée. Donc voilà, on a hâte de vous retrouver en vrai au CSF. Avant, sans doute, il y aura sans doute des masterclass. Il y a des projets du côté de Charlotte qui vont sortir d'ici la fin du mois sur des matières. Oui. Voilà. Et on va vous parler de cet éternel avec, pour l'éternité. Et il nous tarde d'avoir vos retours. Et on veut vos retours. Ah, ouais. Et lancez-vous. Voilà. On a hâte de vous voir dans ce magnifique soutien-gorge. On vous embrasse. Bonne soirée. Je suis Charlotte Jobert, styliste modéliste, et je serai votre professeure sur Artézane. Le soutien-gorge avec armature est une pièce de lingerie particulière, aussi élégante que complexe. En suivant le patron disponible dans ce cours, vous pourrez travailler des matières délicates et élégantes pour faire un ensemble de lingerie composé d'un soutien-gorge avec armature et d'une culotte. Je vous présenterai tout d'abord la structure de base du soutien-gorge avec armature, le squelette. Pas à pas, nous monterons ensemble les différentes pièces du séparateur à la basque, devant et dos, des bonnets au dos cheminé, en passant par les bretelles et la tache d'eau. Nous passerons ensuite à la culotte. Je vous montrerai comment apporter des modifications au patronage en ajoutant un empiècement de dentelle. Puis, nous passerons au montage. Vous saurez coudre un ensemble de lingerie avec un soutien-gorge avec armature, alliant confort et élégance, qui épousera parfaitement vos formes et sublimera votre féminité. Ce cours est disponible en illimité où vous le souhaitez, quand vous voulez. Alors, à très vite sur artézane.com. Je suis Charlotte Jobert, styliste modéliste, et je serai votre professeure sur Artézane. Une prise de mesure impeccable est cruciale pour coudre un soutien-gorge avec armature, confortable et parfaitement ajusté à votre morphologie. Nous verrons d'abord les bases théoriques de la prise de mesure sur mannequin, puis nous passerons sur un modèle vivant afin de voir les adaptations à faire sur un vrai corps. Vous saurez tout pour vous lancer dans la couture de soutien-gorge à armature, confortable, féminin et élégant. Ce cours est disponible en illimité où vous le voulez, quand vous le souhaitez. Alors à très vite sur artézane.com.